Hop, voilà. Allez, on va commencer donc sur Bluestorm en Nowox. Faut que je charge peut-être les calques. Zag. DCS. C'est pour les télécharger, je sais pas s'ils sont à jour les miens. Ben, normalement, jette un coup d'œil sur Google Drive. Je vais les voir. Bluestorm ATC. Ben, je vais tous les charger. Est-ce que Bluestorm, j'en ai qu'un qui date du 8 avril. Remarque, Tu les as alors, retravaillés, toi. y en a combien? J'en ai fait 3. A priori, j'en ai fait 3. T'as les Ouais, noms, comme lieu, Clearfield, ouais. pays, Et puis ATC. la Non. CETAC. Ouais, alors Clearfield, il y en a 4 parce qu'il y a aussi les roses. Les Restricted Operation. Alors, ouais. Ah merde, Z, c'est quoi déjà? Zone? Je sais Zone. plus. Donc là où il y a les Ewoks et les Tankers. Là, je ne l'ai pas fait pour Bluestorm. Hop, hop, voilà, tout est partagé. La fréquence ici, on est. Bluestorm. Overlord, c'est bien la 271. Pourquoi j'ai 300? Je sais pas. Toi, je me souviens plus, c'est juste que t'étais pas trop trop à l'aise au niveau GCI, c'est ça? Awox. Ouais, c'est surtout en fait, ouais, j'ai surtout besoin qu'on fasse un peu un travail pour gagner en qualité de ma phraséologie. Toi, je fais encore beaucoup, j'ai encore pas mal d'hésitations sur alors la stratégie et comment leur donner la meilleure information, le plus synthétique, le plus rapidement possible. Alors toi, quand je vole avec Bicock Tri1 qui est hyper propre dans ses coms, Tout à fait. qui dit commit, leader, groupe, machin. Alors au début, je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. J'ai eu un petit, voilà, une incompréhension avec sa mission sweep une fois. Oui, on avait Alors rien de discuté. grave en soi dans l'absolu, mais l'idée c'était de dire, bon, comment faire maintenant pour donner la bonne information au bon moment, pas trop surcharger, à quel moment donner l'indication au pilote pour que, en gros, moi ce que j'aimerais en fait c'est très présomptueux de ma part, mais c'est d'avoir peut-être moins de pilotes qui se font poutrer en leur donnant la maximum d'informations. Parfois j'ai l'impression qu'ils se retrouvent en combat tournoyant à deux contre deux et qu'ils se font toucher. Alors il y a forcément les compétences du pilote, hein, je ne suis pas dans l'avion avec eux. Mais voilà, c'est comment faire pour gérer cet aspect-là sans les emmerder parce que quand tu es en dogfight, c'est très chaud à gérer. Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que je leur dis tu rappelles jeudi ou tu rappelles Tali et puis après tu te démerdes? En théorie, c'est comme ça, hein. Je suis pas censé. Ouais, tu l'as l'instruction numéro 4 là d'ouverte? Ouais, elle est ouverte, ouais. Parce que tu vas avoir une petite indication en page 28, mission tactique, mission d'interception guidée, Ouais. où ça va te guider sur dans un premier une première étape, logiquement. Ça dépend du théâtre d'opération, des missions, etc. Évidemment, mais on va dire en moyenne. Alors, lorsqu'ils arrivent sur ta fréquence, tu leur donnes une picture en bullseye. Tu vas les broadcaster. Et à partir du moment où tu décides que un tel, tu l'envoies en interception sur tel groupe rouge hostile, c'est là où tu vas commencer à parler en bras et tu vas aller vers du tactical. Ouais, donc tout Donc, ça va. Ça, ok. j'ai pas de souci avec Et ça. Après, c'est surtout une fois que. ouais. Alors, quand il est au merge, en gros, comment l'aider? Alors, souvent au merge, je laisse se gérer. Je suis un peu, quand il a touché un contact, je le rappelle pour lui dire splash confirmé. Le trailer dans tes 6 heures pour 4 nautiques. Oh, souvent parce qu'il a peut-être pas eu le temps forcément de. Il était voilà. Mais après, c'est à ce moment-là, est-ce que ça fait partie de mes prérogatives de le dire ou pas? Et puis après, de gérer Ouais, éventuellement son c'est table. pas simple. En fait, normalement, c'est lui qui est censé te dire Tally, no joy Ouais. au merge. Le problème, c'est qu'on est sur BFR et Exactement. forcément, ils n'ont pas l'expérience des vrais pilotes, etc. etc. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu vas essayer de voir lui, vu les mouvements des pistes, surtout que là, on a les fantômes derrière les pistes, Ouais. vu les mouvements des pistes, le vecteur vitesse, l'alignement, est-ce que vraisemblablement, son comportement indique qu'il est en Tally. Est-ce qu'il a bien le visuel sur l'ennemi? Si tu as un doute,
Tu peux lui dire Béchamel One, avez-vous Tali sur le style? Ouais, ouais. Tu peux même éventuellement rajouter avez-vous Tali sur le style dans vos 12 heures ou tu vois, un truc comme ça. S'il te dit non, bon, déjà, il n'y a pas de Nojoy, donc tu sens qu'il est un petit peu pas très à l'aise. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je vais lui donner un relèvement et une altitude. Ouais. Je lui donne pas de distance, puisqu'on sait qu'il est au merge. Ouais. Donc, il s'en fout que ce soit un nautique, 5 nautiques. Par contre, je lui donne un relèvement et je lui donne pas un point cardinal. Je lui donne pas qu'il est dans vos 3 heures. En dogfight, le 3 heures, ça va vite évoluer. Au pire, tu peux lui donner nord, est, voilà. Mais en général, je vais plutôt lui donner un relèvement et une altitude, comme ça, il va savoir s'il faut regarder un peu plus vers le haut, vers le bas, ou si tu sens qu'il est vraiment un peu dans la panade, relèvement 300 plus haut. Bon, comme ça, ça l'évite, lui, de se creuser la tête. Mon altitude, son altitude, ça dépend vraiment de la qualité, enfin, pas la qualité, mais de l'habitude du pilote sur la phraséo et la gestion du stress. Ouais, c'est un peu. C'est là où j'ai besoin de travailler un peu et puis de voir un peu s'il y a des bonnes pratiques, des choses à faire. Voilà. Ouais. Après, Fred, attends, je te coupe. Fred Eagle, salut. Effectivement, ce soir, on contrôle. On va être au moins un AWOX, peut-être deux avec. Avec le night call si t'es dispo pour prendre une fréquence secondaire, enfin on verra au fur et à mesure. Donc oui, tu peux venir voler Fred Eagle si tu veux. Ouais, désolé, je t'ai coupé night call. Non, pas de soucis. Donc en gros, ouais, c'est savoir un peu quand leur dire et quoi leur dire, quoi. Alors ouais, parce qu'en fait j'ai parfois tendance à peut-être en dire trop ou pas assez. Certains sont avares d'infos, certains se démerdent. Couteau 26, c'est rare que j'ai des choses à lui dire. Après, si ce qui peut être intéressant, c'est justement de savoir qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière. Bah, justement, j'ai volé avec, j'étais en contrôle à WAX, il y avait Coq31 qui était là. Donc, lui gère, mais si tu peux, parfois je vais pas savoir forcément gérer correctement, vu que déjà ils communiquent pas entre eux. Donc, quand il passe défensif, parce que je le vois forcément passer défensif, bah, je vais annoncer à l'autre qui était lui en soutien, je dis bah, tu peux passer offensif, Coq31 passe. Alors qu'il ne me l'a pas annoncé. Parfois, tu as des avions en l'air, tu n'as bah, pas de contact avec eux, tu n'arrives pas à les avoir. Donc, il faut gérer tout ce beau monde et de savoir comment faire pour. Alors, j'ai compris un truc, c'est moins le cas ici, mais sur Clairfield, c'est plus facile. C'est-à-dire que moi, il y a des pilotes que j'ai mis en cap. Les mecs, ils m'ont fait 10 tours, 10 hippodromes, ils n'ont pas touché un avion. Mmh. Je leur dis, bah, j'ai pas d'avion, j'ai pas inventé. Donc à la fin, je les ai quand même envoyés sur une patrouille, histoire qu'ils s'amusent un peu. Bon, ils se sont fait poutrer tous les deux en 10 minutes. Ça a été torché. Mais oui, ça m'arrive aussi de pouvoir gérer un peu le ciel de manière à. Voilà. Alors, quand la situation. Ah, voilà, c'est en train de rebooter. Quand la situation est. Ah, salut, ça c'est qui? Poire One, ouais, je devrais le dire plus que Béchamel. Poire, c'est plus rapide. Quand la situation. Et comment dire? On est en grand slam. Ouais. Dans ces cas-là, tu peux inventer des missions. Tu prends une patrouille de bleu et tu vas les orienter ou tu inventes un spot rouge ou tu les orientes vers un joueur par exemple qui répond pas à la radio ou enfin ou tu leur fais une VID ou une reconnaissance au sol, enfin voilà, tu peux te permettre à un moment donné si les hippodromes sont un peu longs de sortir de leur mission cap défense d'une zone et puis partir sur une reconnaissance, un truc comme ça, un bateau, il y a possibilité de faire des variations. Mais en général, comme c'est des missions qui se renouvellent assez vite, tu peux avoir peut-être pendant 5-10 minutes rien, mais tu sais que ça sera guère plus de 10 minutes. En général, ouais, même au bout de 5 minutes, ça décolle. Pop régulièrement. Ouais. Voilà. Après, l'autre point, c'est ce que j'avais discuté avec un des gars qui fait le GCI chez nous. Mm-hmm. C'était de savoir comment interpeller le groupe en général pour donner un nouveau pop-up group par exemple. Donc c'était l'information heads up. Vous comprenez pas, il disait heads up, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement sortez la tête de vos écrans et écoutez ce que j'ai à vous dire. La différence entre le break et le break, que je n'avais pas, pour moi c'est pareil. Donc là il m'a effectivement expliqué ça. Mm-hmm. Et puis le snap.
Le snap, donc là pour le coup, je ne comprenais pas exactement dans quelles conditions fallait l'utiliser. Alors j'ai vu qu'il était dans ton. C'est de ma faute d'ailleurs, il est dans ton Non, mais Revit. de toute façon, tu peux pas connaître tout par cœur un document. Enfin, Voilà. c'est pas possible. Mais c'est surtout après de savoir ce qui est utilisé, pas utilisé, et comment donner une information à quelqu'un sans traîner à la radio. Le nofactor, par exemple, toi je ne l'avais pas non plus. Quand tu te retrouves avec un groupe qui n'est pas spécialement dangereux, bah, tu dis nofactor et il comprend. Ouais. Ouais, alors sur les escadrons, sur d'autres groupes que BFR, tout ça, effectivement, ça peut marcher. Sur BFR, ça peut coincer parce Ouais. que il y a beaucoup, beaucoup de novices. Ouais. Et l'idée, c'est d'essayer de détecter est-ce que je peux me permettre d'utiliser une phraséo un peu poussée ou des procédures et des tactiques un peu plus complexe que simplement leur faire un commit direct, hein, frontal. Ouais. Donc c'est un peu au feeling qu'il va falloir détecter ça. Il y a l'habitude des pseudos. Ah ben machin, lui en général, il s'y connaît. Bon, ben, je peux y aller, Franco. Et d'autres, lui, je le connais pas du tout. Donc ben, on va y aller avec des pincettes. Ouais. Des fois, je me permets de sortir du rôle et de lui dire est-ce qu'il connaît certaines procédures? Es-tu familiarisé avec le bras, par exemple, Ouais. ou en RTB, as-tu l'habitude de faire une procédure au break? Est-ce que tu connais les procédures au break, toi, des choses comme ça? Ouais, alors ça, je leur demande souvent. Alors le bras, non. Le bras, je pars du principe qu'ils sont censés Ben, le savoir, pas mais sur justement, BFR, pas forcément. c'est pas systématique. Non. D'accord. Non, non, Bon, non, parce non. que j'ai rarement eu de gens qui m'appellent pour dire, en fait, je comprends absolument pas de quoi tu me parles. Ouais. J'en ai pas eu. Alors Alors soit ils n'osent depuis. pas le faire, Ouais. et justement, après, tu sais pas comment. Alors, si j'en ai un, je lui parlais de bullseye, et il me dit, mais j'ai pas de bullseye, moi. Alors il volait en Sukhoi, je crois, c'était ça. Alors je dis, bon, ok, je vais donner un relèvement, et puis. La plupart préfèrent un bras, c'est sûr, mais c'est bien les habitués au bullseye. Ce que je fais en général, c'est que je leur donne une picture en bullseye. Ouais, Ça les ça peut. habitue. Ils se rendent compte d'ailleurs Exactement. que waouh, c'est je comprends rien du tout. Donc, s'ils ont le courage ou le temps, ils peuvent me demander pendant ou après ça veut dire quoi bullseye. Sinon, Ouais. bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai fait la picture en bullseye, histoire d'un peu les habituer. Et après, je passe en bras. Parce que je vais pas les laisser stacker sur un hippodrome d'attente sur ce genre de mission, quoi. Donc dès que je passe Ouais. en bras, je vais passer vraiment en interception. Toi, mec, je t'envoie là-bas et tu as l'autorisation tacite de l'abattre. C'est un hostile. Bon, Ouais. c'est. Mais il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de cas par cas sur BFR. C'est le spectre le plus large qu'il puisse y avoir. Voilà. Clairement, clairement. Après, il y a des mots genre le tumbleweed, j'ai jamais entendu. Ah oui? Ça arrive un petit peu parce que il y a certains joueurs qui commencent à savoir que la plupart des contrôleurs on connaît des phraséos. Donc il y a Ouais. certains pilotes qui se permettent des fois de balancer un tumbleweed ou je sais pas, enfin je sais plus qu'est-ce qui peut venir en Ouais, il y tête, mais avait. jeudi même la notion de jeudi. Ouais, j'ai été. Qui c'est qui m'avait félicité un jour, me dire, ah, c'est cool, tu utilises Jeudi à la place de Tally. Je dis, bah, ouais, en fait, ça m'a paru un peu normal, mais en fait, non, pas tant que ça. Parce que... Non. Mais toi, ou le Raygun, j'ai putain. Alors, c'est pour ça, là, les dernières fois que j'ai fait du contrôle, j'ai ton instruction numéro 4 ouverte. Et comme ça me permet de lire les mots et de recomprendre un peu dans le contexte à quoi ça sert. Parce que Reagan, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Et j'ai dit, attends, Reagan, ça veut dire quoi et pourquoi il me le dit? Alors après, tu commences à comprendre, ça va un peu mieux. Et voilà. Donc c'est surtout ça. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est simplement gagner en... Alors peut-être que finalement, on va juste contrôler tous les deux et ça se passera bien. Mais c'est surtout gagner cette... Toi, si on peut rester... Alors, si j'ai paramétré Discord là, pour couper tu sais, pour rendre muet Discord quand tu appuies sur les touches F1 et F10, ça c'est génial, ça c'est Riku qui m'a montré ça. Ouais, c'est ce que je faisais au début. Au final, je l'ai supprimé parce que on se met sur des Discords différents, Ouais. habituellement, sur chacun son rôle. Et quand je coupe le micro, le symbole n'apparaît pas sur les autres. Les autres qui sont dans le salon, ils savent pas que j'ai coupé mon micro avec cette astuce Ouais. que tu me Ah oui, cites. d'accord. Quand Non. tu appuies sur le. Donc ils D'accord. peuvent te En fait, je parler voyais. si eux ils veillent pas sur SRS ta fréquence, ils vont te Ah parler. oui. Ouais, ils savent pas que toi, tu en as Voilà. l'entente. Et comme toi tu as coupé juste le micro, t'as pas coupé les haut-parleurs, des fois tu peux avoir des chevauchements de fréquence de communication et ça peut être un peu problématique par moment. Donc
il y a du bien et du moins bien, on va dire. Ouais, je comprends. Par contre, c'est bizarre qu'il n'ait pas redémarré. Ouais, finalement. C'est un petit peu long. Ouais. Alors, il y a un jour, il a mis 14 minutes à... Waouh, ah ouais. Alors, SRS, c'est bon. Maintenant, je suis toujours en chargement. Et je regarde sur le site. Sur le site, c'est marqué run, mais il n'y a pas encore... Non, il n'a pas fini sa procédure. Ouais, c'est quand il dit qu'il redémarre le serveur, c'est qu'il redémarre tout le serveur. Oui. C'est pas que la mission qui redémarre. Non. Enfin, ouais, il est... oui, ils effacent tout. Le but, c'est vraiment de soulager la mémoire, de vider tout, quoi. D'accord. Bon, bon, c'est vrai que c'est très longtemps. Ouais. Si je déconnecte et je reconnecte, peut-être. Serveur est en pause. On se donne jusqu'à 21h15 avant d'appeler le staff au secours. Ouais. Ça va s'en recapte vers l'heure. Ok. Toc. Et puis, faudra s'organiser aussi des soirées un peu spéciales. Ouais. Des petits events. Ah, j'ai l'impression que ça se commence à se mettre en place. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, faut faire attention quand tu fais de la TC, tu peux avoir la météo qui peut quand même évoluer. Avec le QNH, le temps. Alors, le vent, je suis pas sûr, je crois pas, mais, non, le QNH peut varier. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, Bravo a mis en place un truc qui prend en compte les nouvelles météos, entre guillemets, les nouveaux nuages, et ouais. Un petit script qui permet de faire passer de l'un à l'autre à des moments... Alors, je sais plus si le fait de façon régulière ou aléatoire. Ouais, et du coup, le QNH, il évolue. Ouais, donc j'ai vu ça. Effectivement, là, il n'y a pas de vent. C'est une petite surprise. Tu passes de 29,92 à 29,76, bon, ok. Ouais. Allez, je vais peut-être faire ma petite annonce, quand même, j'ai l'impression que les IA se sont lancées, toujours pas de joueurs sur le serveur, c'est encore trop tôt, comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un qui est dans Amphithéâtre, Misa 177. Ouais, mais là, ça fait un petit moment qu'il est là, je crois. Il attend quelqu'un? Je sais pas. Il était là déjà quand je suis arrivé tout à l'heure. Wax on, wax off. Ah oui, il va falloir recharger les calques. Ouais, et puis je contrôle un peu moins quand même ces derniers temps entre tous les tutorats et qualifs, donc je contrôle de moins en moins. En fait, je contrôle plus presque quand je suis invité à l'extérieur que sur VFR. Ça, ouais. Et puis comme je me remets progressivement au pilotage, bah, ouais, faut trouver du temps. Ah, c'est long de tout faire. Hein. C'est chaud. Moi, j'ai le même problème, c'est qu'en plus, là, le 19, si on est un peu libéré et qu'on peut reprendre une vie à peu près normale, moi, j'ai des journées qui vont, des soirées qui vont sauter. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Du coup, ouais, ce sera moins. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même assez nombreux parmi les contrôleurs, donc avec un peu de chance, celui qui n'est pas dispo un soir, un autre sera peut-être dispo, mais c'est vrai que. Avec le déconfinement entre guillemets, ça va être plus il y aura forcément une érosion aléatoire. Ouais. Alors, est-ce que t'as beaucoup de pilotes qui sont, enfin même des apprentis contrôleurs. Je regardais un peu la liste. T'en as qui se jettent un peu dans le grand bain et qui vont tout seuls, enfin, qui contrôlent un peu en journée ou autre chose. Mm-hmm.
ou pas, parce qu'il y en a que j'ai jamais, dont j'ai jamais entendu parler. Non, il y a beaucoup, mais comme tout groupe, t'en as quelques-uns qui se disent ouais. Et puis au final, ou ça les intéresse moyennement, ils sont un peu déçus, ou en fait leur emploi du temps ne leur permet pas comme ils l'auraient espéré. Donc t'as toujours un noyau dur, un intermédiaire où il y a un petit peu plus de monde, et puis la majorité, ça va être plus occasionnel, quoi. Ouais. Donc bon, t'as un petit peu de tout. Toi par exemple, moi j'ai commencé à contrôler, c'était quand? En juin ou juillet de l'année dernière. Je faisais énormément de contrôles par semaine, enfin c'était beaucoup beaucoup d'heures. Maintenant si je contrôle 3 heures en 2 semaines, c'est pas mal. Ouais. D'accord, ça évolue. Ouais, enfin, c'est l'objectif d'avoir aussi pas mal de contrôleurs pour que ça puisse tourner régulièrement. Ça, ouais, ça serait bien. De toute façon, il y a un phénomène de. Enfin, il y a un effet nouveauté pour les nouveaux contrôleurs. Après, c'est ça. Ils vont en faire. Et puis, voilà. T'as un côté un peu lassitude qui peut s'installer ou j'aimerais bien aussi voler, piloter, donc forcément. Ouais. Allez. 3 Sukhoi sur Krims. Ils viennent de popper. Alors, il y a qui? Il y a Harry Lucci, tiens, Graf, Dior et Frosties. De notre côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Mineralnier, Natchik, bon, les rouges se réveillent doucement. Oh, c'est le week-end, hein, tranquille. Est-ce que tu voudras qu'on se répartisse des fréquences au fur et à mesure, enfin, à un moment donné? Ah, Michael, je crois que je t'ai perdu. Pardon, j'étais là. Okay. J'ai coupé le micro. Ouais, on fera ça. Pas de problème. Tu prendras la 272 Magic. Ouais, et puis tu me fileras les avions, la partie interdéter, les tout ce qui va être pour protéger Makeup en fait, à la limite. Il y a pas mal de boulot, et puis je te laisserai gérer la côte. C'est vrai que finalement sur cette map, la stratégie c'est d'aller taper Makeup très vite, parce que ça te fait une putain d'avancée. C'est clair. Voilà. Et justement, j'ai fait ça, je sais plus, dimanche, je crois que j'ai volé. J'étais tout seul dans mon Adis. Je suis allé taper Makeup, ça t'est vite torché. et après, effectivement, tu app, c'était en train d'être pris. Tu avances assez vite, en fait, comme ça. Mais c'est vrai que dès que tu traînes un peu, qu'il te faut déjà une heure pour taper Makeup, c'est trop long. Makeup. Mais bon. Ouais. Début de service Awoks Overlord sur la 271. À tout à l'heure. Je t'entends d'une oreille. Alors là, j'ai fait sur l'UHF. Radio check intercom. Ah, t'es sur le 3. Hein. Oui. Vas-y, fais-moi un call. Ouais. Ah, mais attends. Un autre souci. Ah, mais voilà pourquoi je déconne. Okay. Voilà. Check radio intercom 3. Image Charlie. Ouais, donc alors, classification. Alors donc ils sont par défaut déjà classés. Les AEW et Ravitaille. Ouais. Ah non, pas tout à fait. Texaco est en chasseur. Marrant ça. Il y a deux Texaco qui sont l'un côté de l'autre. Je me souvenais pas de ça.
Ok, c'est qu'il doit y avoir un PRS et puis un classique. PRS. Moi, je vois bien MPRS, effectivement. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est Ouais, c'est ça. MPRS. Ok, très Ah, puis il y a bien. bien ravitailleur. Il y a une classe ravitailleur. Ouais, affirme. Il a dissocié AEW et Ravitaillot. Hop. L'aux en plein milieu, ça c'est une grosse aberration. Oui, on est bien d'accord. Mais bon, on changera un petit peu ça. On a déjà préparé le terrain pour Clearfield avec Tripac. Blue Storm viendra après, quoi. Et je crois qu'ils ont. Ah, je sais plus, tiens. Dis-moi, les planchettes sur Blue Storm, les pilotes, ils ont Césium et Cobalt, les deux Non. FA, non? Non, justement, hier, on était avec D'accord. Stan et il était il les avait pas. Donc Grinch, je les ai envoyés sur Cesium, il dit où? Je Ouais. l'ai sur Cesium. Attends, Et ouais, je tu me crois parles qu'ils de l'ont quoi pas. là? Du coup, il lui a filé des coordonnées approximatives en lui disant bah tu te mets à peu près par là. Mais ouais, effectivement, les gens. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu les mets directement. Tiens, d'ailleurs, ce qu'il faudrait que tu mettes, ça c'est super pratique, là, sur les Fahors là, c'est de mettre les caps de la. Tu sais, en dessous de Cesium là. De mettre tes caps pour tes routes là, tes deux caps magnétiques. Ouais, effectivement, on pourrait mettre ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, Blue Storm, de toute façon, il faudrait vraiment que je m'y penche, un de ces quatre. Déjà, j'avais pris un peu le temps de créer des. Il y a deux TMA Moi, j'ai vu ça, ouais. créés, on va dire, sans base, sans rien. Je me suis appuyé sur rien du tout. Donc, parce que j'arrive pas à trouver des documents officiels pour cette zone-là. Ouais, alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux TMA? Enfin, alors dans la pratique, enfin dans la théorie, ce serait bien. S'il y a quand même trois aéroports, ça fait cinq aérodromes. Dans l'absolu, finalement, sont beaucoup utilisés Krasnocentre et puis Krimsk. Un petit peu Galenci, pas Galenci, Nouveau. Novo. Mais sinon, Galenci, c'est super rare. Peut-être un peu au retour. Et puis Krasno, l'autre, petit, je sais plus le nom là. Plutôt Pachowski, Pachkovski, il n'y a jamais personne qui décolle de là. Ouais, puisqu'en fait, ça dépend les slots qui a et les plus Voilà. courants. Bon, bah voilà, c'est ceux que t'as cités, quoi. Voilà. Du coup, mais ce serait pas mal d'avoir une TMA un peu plus large pour rediriger, redispatcher les gens, bah, comme sur Clearfield en fait. Elle marche plutôt pas mal. Alors là, les deux TMA sont censés englober les trois principaux, enfin les deux et trois principaux aéroports. Ouais. Si je vais au-delà, ça va empiéter un petit peu sur le WOX. Ouais. Bon, parce que tu vois, Non Césium, mais. c'est déjà géré par le WOX. Hein. Ouais. Mais en fait, ce qui manque, alors ce qu'il n'y a pas ici, c'est que Césium, il est forcément en altitude. Affirme. Donc ta TMA, elle est, si on se tient sur ce que tu avais mis pour Clearfield, ta TMA, elle a un plafond au niveau de vol 195. Pour l'instant, j'ai pas mis parce que j'ai pas décidé, mais je pense qu'on fera sans doute pareil pour pas perdre les Ouais, pilotes. parce qu'en fait, c'est surtout, c'est ce qu'on avait dit avec Stan la dernière fois en disant on était en contrôle tous les deux et qu'au final, la TMA, les gens n'ont pas le réflexe d'y aller quand il n'y a pas d'AWACS qui va automatiquement te dire bah, bascule sur la TMA 263 décimales 5. Ils n'y vont pas naturellement en fait, ils attendent d'être. Bien sûr, oui. Voilà. Du coup, ils n'ont pas cette approche. Après, il faudra quand même se poser la question justement de l'intérêt d'une TMA. Enfin, comment on priorise quand on n'est que deux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un AWACS et un ATC quelque part? Alors, idéalement, il faut prioriser le rôle JCI, Ouais. c'est-à-dire tout ce qui est interception, RR, il faut prioriser ce rôle parce que les pilotes, ils ont besoin véritablement d'un AWACS qui va les guider lors des interceptions. Ceux qui sont Ouais. en air ground sont un peu plus autonomes. Et ceux qui sont en départ et retour, donc pour tout ce qui est ATC, sont aussi à peu près autonomes. Le risque de collision trafic reste quand même assez faible vu le nombre d'appareils. Donc c'est vraiment le rôle de AWACS RR qu'il faut prioriser. Après, on va pas l'imposer, je veux pas l'imposer non plus. C'est au bon vouloir des contrôleurs. T'as envie de contrôler, ok, très bien. Si tu veux faire de l'ATC, tu fais de l'ATC. Si tu veux faire un aéroport plus la TMA, tu fais un aéroport plus la TMA. J'empêche pas. Si tu veux faire que l'aéroport et qu'il n'y a personne en TMA, voilà. Donc c'est un petit Ouais. peu, je veux que ça reste des envies de contrôleurs.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un échange là-dessus où il disait, ouais, il faudrait qu'on sache quand les contrôleurs de contrôle, bah, tu le sais quand tu te... Parce que ça, on peut pas non plus avoir une feuille Non, non, non. de service Et d'où et puis l'intérêt, tu... ouais, d'où l'intérêt d'avoir de se mettre sur le serveur vocal de Discord. Comme ça, Ouais. tu as un contrôleur qui arrive, hop, il va dans ton serveur, il te fait coucou. Overlord, bonjour. T'es grave. Et Overlord, graphe, bonjour. Indiquer mission et position. Il est où d'ailleurs? Pig 1-1, actuellement à l'aéroport de Sochi, en attente d'instruction. Aéroport de Sochi? Ouais, non, il n'est pas sur Sochi, je sais pas où il est. Confirmé, aéroport de Sochi, je vois Sochi Adler, rouge. Non, il est sur Krasno. Je vérifie. Il est sur Krasno. Tu Ouais, changes ton c'est... nom en Pig 1-1 déjà? Alors par contre, moi je l'ai pas dans les objets, c'est bizarre. Parce qu'il est Il est arrêté en fait, où... Ouais, il est au il n'a sol. pas démarré en fait. Erreur de ma part. Krasnodar. Identifié sur Krasnodar, affirme un call sign Pig 1-1. Overlord affirme, oui. Pig 1-1. C'est bien pris, Pig 1-1. Vous serez en mission cap? Pardon, mission strike. Casse plutôt, non? Alors, Négatif. CAS, ça va plutôt être des missions de suppression de troupes ennemies au contact de troupes alliées. Et on n'a pas ça en temps normal. Donc, c'est plutôt de la strike quand il faut éliminer des véhicules au sol ou de la seed pour éliminer des radars ennemis. Ok, copie. Donc, on part plutôt sur de la suppression, destruction de véhicules blindés. Ok, j'ai tout ce qu'il faut pour la destruction de véhicules blindés. Ok, mission Strike, c'est bien noté. Vous rappellerez dès que vous aurez quitté la zone de Krasnodar. Ok, copie. Je rappelle dès que j'ai quitté la zone de Krasnodar. L'envoie sur Makeup. Ouais, ça sera bien. Mais j'ai pas de cap sur Makeup, j'ai deux J11 qui arrivent sur place. Ouais, bon, on le mettra en orbite. Ouais, il va rester sous la bulle d'éau qui a. Il va rester de notre. Au nord-ouest de Makeup, ça ira très bien. De toute façon, à mon avis, tant qu'il décolle, le temps qu'ils mettent Comment en qu'elle route, il décolle, les s'appelle? J11, ils sont déjà partis. Oui. Il faudra que je mette le nom de cette ville-là qui est au nord De des Makeup? Krasno, là. Qui est au nord-est de la TMA Krasnodar. Une ville. Je sais pas. Il faudrait que je le Au mette. nord-est, ah oui, Putain. c'est ouais. Une ville qui est à côté du lac. Ouais, Pas très ah, loin. au nord-est du lac. Ouais. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Krasnodar, Pig 1-1, un Audi C2 au parking, je mets en route pour mission strike. Alors, il y a Fotoun qui vient de décoller. Et nos Sukhoi, ils sont partis où? Ils sont encore. Non, ils sont encore. Sur... Il y a Coq-Triwan qui est actif. On devrait avoir aussi un hélicoptère, je pense une gazelle qui ne devrait pas trop tarder. Vu qu'il y avait Acta qui voulait piloter. Coq, il est tout seul? Il a Ouais, l'air. il a l'air tout seul. Ok, il monte gentiment. Oh, on va lui demander de nettoyer un peu la zone autour de Mekop. Il y a deux groupes.
crachouillis sur la radio, c'est bizarre de temps en temps. Ah bon? Ouais. Quelle fréquence? Je sais pas trop, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Moi j'ai pas de problème. Alors est-ce que c'est Tac, ça là? j'entends un clac, ouais. Ah ben c'est moi alors. Ah d'accord, c'est Discord alors. C'est Mets moi. le volume 2, tasse micro. 5 sur 5. Et hommage. Et quoi? Il t'a dit hello mage. Ah, salut Acta. Acta, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais partir sur du char, du ce que tu veux, moi. Ok, tu vas décoller d'où? Elles sont où les phares? Je me souviens plus. Rome, c'est celle qui est à côté, à l'est de J'ai Krasnodar. pas décollé encore, je suis en train de démarrer, je suis à Rome. Ok, dès que Allez. tu seras airborne, reviens sur cette fréquence. Et je pense que probablement on ira sur Mekop si je t'ai bien identifié. On verra selon où est-ce que tu es. Il est plus près de Maycop. Ok. Ouais, je pense que. C'est celle qui est au sud-ouest de au sud-est de la TMA là. Ok. C'est ce que je pense, Il n'y a que nous deux sur la fréquence, hein, en fait. Negat, nous allons avoir un ADIS qui va aussi traiter, je pense, je vais l'envoyer sur ta destination, vous ne serez pas trop de deux, et devrait pas tarder un F-18 qui va assurer votre protection si tout se passe bien. Mais pour l'instant, oui, on n'est pas nombreux. Ah, c'est sûr que si vous voulez me dire des trucs intimes. Ouais, il fait bien de préciser. Ok, T'as oublié ton slip? je décolle. Ok, T'as c'est oublié bien ton pris à tout à l'heure. slip à la maison la dernière Ouais, c'est fois? ça. Des choses comme ça. Attends, on n'est pas tout seul. Oups. Bon, Laisse-moi ça le encore, coq. ça va. Mais le problème, c'est quand va y avoir des. Là où c'est chiant aussi, c'est que les gens savent pas forcément que là, je suis en train de streamer. Et des fois, Ah tu peux oui. avoir des Ah, des conversations surprises. ou des choses qui glissent limite borderline avec le secret défense. Donc, Ouais, oup, oup, oup. Ou casser du sucre sur quelqu'un ou tu vois sur le truc. ouais. Et Ouais, ouais. c'est toujours un peu délicat. D'ailleurs, c'est bizarre que Fotoun, il ne s'est pas contacté encore. Oui, puisque non, là il est dans Mais il a 26 000 pieds. l'espace d'Avox. Je vois qu'il y a du 280 aussi. Il y en a un qui est sur le 280. Et pour rappel, début de service AWOX sur la 271 avec Overlord. Le rappel était bon. Bien joué. Bon, il y a du Fox 3, ouais, c'est bon. On va avoir des clients. Là, il y a un Sukhoi 33 qui décolle. Ah, mais escroc du nu. En fait, j'aime bien les reboots. Ça me permet de me préparer. De réfléchir à l'attribution des cibles, de renommer les. De changer les symboles ou les noms. De Ouais. réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Ah, il veut pas, il veut pas. Allez. OK, bon. Alors, Acta, où es-tu? Oh, putain, le zoom des zooms, c'est saoulant, quoi. Tu peux lui donner un cap 102 pour 28 nautiques. Enfin, à mon avis, je pense qu'il doit savoir où aller. Tu le vois, Acta?
Ouais, il est là. Attends, je vais lui dire. Moi, je le vois pas. Attends, il est là. Acta 1-1 pour Overlord, cap au 102 pour 26 nautiques pour le secteur de Makeup. T'es pas Overlord? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. T'es pas Pardon. Overlord? Bah, j'ai parlé à ta place, excuse-moi. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Overlord coq 35. Ah, ça c'est pour toi. Coq 35, Overlord, bonjour, identifié radar. Précisez mission. Overlord coq 35, mission de strike sur mission d'armes reconnaissance sur Makeup. C'est bien noté. Pour l'instant, nous avons trois groupes rouges prêts à copier picture. Coq 35 prêt. Groupe 1 au bullseye 039 pour 103 qui passe cold. Nous avons le groupe 2 au bullseye 037 pour 49 qui est hot. Et le groupe 3 au bullseye 047 pour 41 qui est en train de passer flanking west. Donc coq 35, vous pouvez procéder vers Makeup. Toute évasive sera plein ouest 270. Pour l'instant, les rouges sont en train de libérer le secteur. Coq 35. Alors lui, il est en air sol. Ouais, je suis en train de le changer. Je vais le mettre. En fait, je le passe en allié assumé. Ouais. Et ensuite attaque. Lui tire un petit bras histoire de me souvenir qu'il fait ça. Je vois toujours pas Acta. Acta 1-1, il est si il est bah il est dans les 3 heures de coq 35 pour 7 nautiques. Vous voyez la phare prom. C'est vraiment bizarre, moi je vois pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai effacé les troupes au sol? Mais il n'y a pas de raison. Je sais pas. Il est là pour l'instant, il est classé vert. Écoute, est-ce que il est marqué neutre, je vais le passer en allié. Ouais. Et... Ok, je devine puisqu'il est transparent, donc je pense que toi tu as pas mis le filtre cacher les unités au sol. Non, j'ai tout gardé. Ah, ça y est, il réapparaît. C'est vraiment bizarre. On n'est pas en réalistique, on est en arcade, donc il n'y a pas de raison. Ouais, mais moi j'ai pareil. Alors, je me rends compte qu'il y a certaines cibles quand elles sont proches du sol qui disparaissent de temps en temps. Alors, est-ce qu'il y a eu un réglage particulier? Normalement, tu es censé tout voir sans qu'il y ait de blocage. Surtout que là, en plus, il n'y a pas de montagne. Entre le village de Rome jusqu'à Makeup, c'est tout plat. Ouais. Alors, 60 nautiques. Comment ils évoluent? C'est du morse que j'entends. On entend la balise. Ouais, il doit être sur une balise. Je sais pas laquelle d'ailleurs, puisque je me demande bien ce qu'il a pu prendre comme balise. Peut-être le tacan de. Fox 3-1, Overlord sur la fréquence. Je pense pas, on est que 3. Non. Par contre, faut aller voir sur la 280, il est peut-être resté là-bas. Ouais. Fox 3-1, êtes-vous sur la fréquence? Fox 3-1, êtes-vous sur la fréquence de Overlord? Overlord, Pig 1-1. Pig 1-1, Overlord, go. Je m'éloigne de Krasnodar par l'est en attente d'instruction.
Identifier radar. Pour la picture, nous avons un groupe qui est au bullseye 039 pour 95 et un deuxième groupe au bullseye 032 pour 53 nautiques. Vous allez maintenir votre cap et je reviens vers vous. Ok, copie, je maintiens le cap. Overlord, SU-33 Master Patrouille, on est 3 SU-33 au sud-est de Krimsk, en cap, on a beaucoup de Fox 1. Il a appelé comment? Master 1? Master 11? Master Flight, Overlord, bonjour, identifié radar. Vous allez prendre un cap 100, unité 00, passer Buster, nous avons 3 groupes sur secteur. Êtes-vous prêt à copier la picture? Cap 100, Buster, on est prêt à copier la picture. Nous avons un groupe 1, Bullseye 039 pour 91, qui est flanking sud. Nous avons un groupe 2, 2029, au Bullseye 29, 57 nautiques. Et un groupe 3 de J11, au Bullseye 050 pour 34. Le premier groupe, c'était du J11 aussi. Bien pris de Master Flight, on maintient notre cap 100. Et Master Flight, nous avons du F-18 K-50 et A-10 qui va traiter objectif make-up. Vous allez donc assurer l'espace aérien face cap et prioriser MiG-21 ou J-11 selon la situation. Je reviendrai vers vous. Master Flight de Overlord, pardon, de Master Flight, c'est bien pris, on se dirige vers Mekop. Fox 3-1, John McClane, êtes-vous sur la fréquence? Non, ça c'est photo. Ouais, micro coincé. Ouais. Alors, il a envoyé un message sur le chat. Oui. Mais je vois pas l'historique de mon côté disant qu'il était sur le. Il a entendu qu'on appelait. Overlord Marco 35, bonjour, F16 en 600 plus décollage de make-up passant les 9000 pieds, cap 090. Non, il peut pas décoller de make-up. Non. Marco 35, identifié radar de Overlord, je vous vois partir de Krims, correct? Affirme. Mission cap, c'est bien noté, vous allez prendre un cap 130, unité 3-0, montée flight level 350. Cap 130, level 350, marque 35. Et pour la picture, nous avons 3 groupes sur secteur, 2 en J11 et 1 en MiG-29, ce sont des patrouilles légères. Nous avons une face cap devant vous, Sukhoi 33 allié, 3 appareils, ainsi que A10, Gazelle, K50 et F-18 qui vont traiter make-up en strike. Face cap, c'est face cap. Face cap, c'est l'escorte d'appareils qui font de la strike. Escorte et une protection, quoi. D'accord. Pig One One, Overlord. Overlord, j'écoute. Vous pouvez procéder vers Makeup. Nous avons 2 groupes rouges qui sont au sud et au sud-est de votre objectif. Nous avons une cape qui arrive sous forme de Sukhoi 33 bleu qui arrive sur secteur pour assurer votre protection. Ok, copie. Donc je maintiens, je me dirige vers le sud-sud-est. Acta 1-1, Overlord. Est-ce que tu veux le prendre d'ailleurs? Est-ce que tu veux prendre les airs grandes? Acta 1-1, vous pouvez procéder au cap 0, 100, unité 00. Vous devriez trouver dans 18 nautiques des objectifs au niveau de make-up. Peut-être en métrique, 31 km. Okay. Master Flight Overlord. Masterflight, j'écoute. Patrouille légère, MiG-29, hostile, bras 110 pour 51, 25 000 pieds, flanking gauche.
Super, 25 000 pieds flanking gauche, on a un contact de ta ligne qu'on rappelle quand on engage. C'est bien pris, rappelez dès que le jeudi, vous prendrez tout évasif plein ouest, 270. Évasif plein ouest, 270, Masterflight, copie. Coq 35, j'ai l'impression que vous avez des problèmes micro, vous allez prendre plein nord pour évitement du groupe de MiG-29. Ouais, Coq 35, je vous vois allumer votre radio, mais je vous entends pas. 0 sur 5. Hey, Coq 35, toutes mes excuses reçues. Rétrograde Nord, Coq 35. Reçu, 5 sur 5. Rétrograde, c'est le seul à utiliser le mot. Oui, il utilise beaucoup, ouais, c'est, il pump faire. C'est... Marcou, 35, Overlord. Pour interception J11, patrouille légère, hostile, bras 130 pour 70, 33 000 pieds, hot. Rappelez dès que jeudi. Jeudi est interdit. Ouais, je vais prendre les strikers sol sur la 122. Ok, je te balance Acta, Pig-1-1 et Photon. Overlord, Pig-1-1. Pig-1-1, Overlord. Je suis Spike par MiG-29 à l'est de ma position. Tu prends 122 du coup en fréquence? Ouais. Pig-1-1, deux MiG-29 qui sont traités par 3 Sukhoi 33 friendly. Ok, copy Overlord. A priori, no factor pour vous, vous pouvez procéder sur mes copes. Pig-1-1, vous allez basculer. Comment tu veux t'appeler? Vous allez basculer sur la fréquence 122.00. Tu veux t'appeler comment? Call sign Magic. Avec Magic. Ok, copy. Je change de fréquence. Coq 35, Overlord. Magic, Overlord, Coq 35. Vous allez passer avec Magic sur la 122.0 pour la strike. Coq 35 reçu et Coq 35 reste sur cette fréquence également. Merci beaucoup. Acta 1-1, Overlord. Overlord, j'écoute. Est-ce que vous avez possibilité de passer sur la 122 tout en veillant la 271? Ok, très bien. Acta, j'ai possibilité de vous faire basculer avec un contrôleur qui va gérer tout le airground. Ça sera sans doute plus approprié pour toi. Tu peux passer quand même sur la 122? Affirme, je switch. Ok, ça marche. À plus tard. Les cow-boys arrivent, très bien, Fried Eagle. On vous attend de pied ferme. Marcou 35, Overlord. Confirmé, vous avez bien contact sur 2J11 qui évolue à 31 000 pieds. Autorisé à engager dès que possible, toute évasive sera nord-ouest. Masterflight, j'ai deux splash, correct? Overlord de Masterflight, on a battu les deux bandits. Ok, c'est du beau travail, merci. J'ai deux candidats pour vous, une patrouille légère de J11. Bras 120 pour 23, 33 000 pieds hot. 120, 33 000 pieds hot, bien pris. Salut Magic sur la fréquence. Vous serez deux air sol et une reconnaissance sur le secteur de make-up. Je vais vous distribuer aux cibles. Bien pris.
Master Flight Overlord, vous avez Tali sur les deux bandits, les deux hostiles. Click 1-1 pour Magic. Master Flight, ouais, on a perdu un allié. Ouais, je confirme, mais vous avez un F-16 qui ne répond pas à la radio dans vos 6 heures. Il est censé être friendly. Acta 1-1, vous êtes deux sur le secteur de Mekob. Je vais vous séparer les cibles en deux parties. Un carré qui va être situé secteur nord-est et un carré secteur sud-ouest. Acta 1-1, vous serez sur les cibles secteur nord-est et Pig 1-1 sur les cibles secteur sud-ouest. Ok, Pig 1-1, repris secteur ouest. Marco 30, on va faire les contrôles. Un coup 35 autorisé à engager les deux hostiles J11. Master Flight 2 Splash confirmé. Master Flight, on confirme les deux Splash. Et c'est du beau travail, vous avez nettoyé la zone. La grande peut travailler. Je vous laisse rassembler. J'ai un nouveau groupe de patrouille légère de JF 17. Qui vient sur votre position. Pour l'instant, vous allez rester en orbite. Marco Fox. Ouais, tous les avions en mission strike sur Make-up. Pour l'instant, le ciel est clair et vous avez de toute façon une cape de Sukhoi 33. Marco 35 défensif. En cape secteur sud de Make-up. Master Flight Overlord, je ne vous vois que Master 1-3. Vous avez perdu vos deux coéquipiers ? Master 1-3 Overlord. Overlord de Master 1-3, transmettez. Je ne vous vois plus que vous. Vos deux coéquipiers ont disparu du radar. Très bien, je copie cette information. Éventuellement une Strela unité ou une Strela 10 à confirmer. Y a-t-il encore des bandits ou des bogies à les intercepter ? Affirme, pour l'instant ils sont un peu loin. Je vous propose de commit sur ceux qui sont au sud. Patrouille légère J11. Bras 220 pour 37, 30 000 pieds, flanking droit. J11, 220 pour 37, 30 000 pieds reçus. Négatif, ça va être un peu court là. Alors les cowboys, vous faites quoi ? Je vous attends. J'imagine que vous serez en RR. Overlord de Master 1-3. Master 1-3, go. J'engage les fions en 36 de la position. Master, je viens de vous perdre. En évolution sur le secteur. J'ai plus de cap pour toi. Ok, copie. Est-ce que tu peux nous assigner les altitudes pour qu'on évite de se rentrer dedans ? C'est bien pris. Bah, Pig 1-1, installe-toi Blue Angel 5 et Coq 3-1, installe-toi Angel 7. Ils sont plus protégés, tes strikers. Coq 35. C'est bien pris. T'as contact avec John McClane ou pas ? Negat. Bon, il est en train de traiter les deux J11 qui arrivent sur place. Avec un peu de chance. Pour le... Ouais, avec un peu de chance, ça devrait être bon. Ouais. Bon, à tous les strikers, secteur Make-up pour info, ils n'avaient plus de protection cap sur place.
J'ai un groupe de JF-17 en approche. Bullseye 066 92 nautiques. No factor pour le moment, mais je surveille. Merde. Tu feras attention au sud à 30 nautiques sud de Make Up. Vraisemblablement, il y a du SAM. J'ai deux friendly qui se sont fait abattre sans raison. Coq 35 pour Magic. Allez, coq 35. Magic, attention, vous arrivez dans un secteur SAM pour 21 nautiques dans vos 1 heure. Faites attention, il y a eu des départs, on a perdu la cape. Coq 35. Rifle sur blindé. T'as deux JF-17 au Bulls 0,60 pour 89. Ouais, j'ai vu, je monitor. Splash. Tokyo One Tree Overlord, vous êtes sur la fréquence? Du BTA, vous venez de striker légèrement à la sortie de la... Pour information, Overlord disponible Wax sur la 271. Vampire 1-1. Vampire 1-1, bonjour, identifié radar, indiqué mission. Vampire 1-1, mission SID pour les installations SA2 à l'est de Make-up pour pénétration basse altitude. Vampire 1-1, très bien pris, vous allez prendre cap 080-080. Vous montrez à votre convenance au-dessus de 200, niveau 200, et je reviens vers vous. Vampire 1-1, vire au 080, répétez altitude. Overlord. Vous montrez niveau 200. Compris niveau 200. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller au-delà, mais pas en dessous. Strike, secteur Make-up, les deux JF-17 en approche de votre position. Pour l'instant, au sud-ouest de Make-up, pour 47 nautiques, notamment pour Acta 1-1 et Pig 1-1, je vous suggère... Tokyo 1-3, diesel, de Overlord, vous êtes sur la fréquence? Pig 1-1 pour Magic, j'évacue, c'est ça? Ouais, les deux JF-17 sont à 49 nautiques de ta position, donc je vais faire un virage gauche. Ok, copy Magic Evasive 275. Magic Overlord. Je t'écoute. J'ai Vampire 1-1 qui arrive en seed F-18 au nord Krasnodar. Pour l'instant, je le monitor. Moi, c'est bien pris. Il devrait s'occuper des SAM qui sont à l'est de Make-up. Ouais, c'est pas du luxe, ça marche. Tu peux aussi l'envoyer sur le SAM sud de Mekong. Ouais, 16 en cap 600 plus, passant 7000 pieds au-dessus de Echo. Marco 35 Overlord, identifié radar. Vous allez prendre un cap 100 unités 00. Montez flight level 350 et veillez la fréquence. 35 cap 100 niveau 350. Êtes-vous prêt à copier picture? Prêt à copier. Nous avons un groupe de JF-17 au Bullseye 0,39 pour 80, qui est particulièrement dangereux, donc vous allez passer Burster, possibilité de les intercepter. Et un second groupe
J11 au Bullseye 004 pour 46. Et salut, attrape Fion. Ah bah, c'est agréable. Pour l'instant, bras 113 pour 29 nautiques, haute sur ta position. Je te suggère un évasif au 275. Départ missile. J'ai une cape qui arrive. J'ai une cape qui arrive, Marco 35, TMA Krasnodar. Tokyo 1-3, il est avec toi ou pas? Pour l'instant, oui. Tu veux que je te le bascule? Il est en SID. Non, mais. Ouais, ah merde, c'est con, il a de quoi traiter du RR ou pas? Là, je vais voir. Marco 105, il va faire le fond, compliqué. Bien copié, Marco 35, je vous donne un bras. Marco 35 pour 2 JF-17 hostile bras 105 pour 75, 37 000 pieds haute. 35, tu as-tu marre contact? Empire 1-1, Overlord. Overlord, Empire 1-1. Disposez-vous d'ordonnance RR. Négatif, autoprotection seulement. C'est bien copié. Maintenez cap 080-080, je vous vois actuellement au 104. Affirme, si prioritaire au cap 104 à 76 nautiques. C'est bien noté, mais nous avons cap ennemi sur secteur qui devrait être traité, pas tout de suite, d'ici quelques minutes, par une phase cap. Mise en protection sous la bulle des hauts. Droite 300, coq 35. Pierre Overlord, je me mets en attente sur secteur. 5 heures qui engage les deux. Overlord 33, un indice en présence de Mekop, de Krasnodar Center pour Mekop. Coq 35. Astro 1-3, Overlord, bonjour, identifié radar, indiqué mission. Bonsoir, c'est du strike. Du strike, c'est bien noté. Vous allez basculer avec Magic sur la 122 décimale 0. Indiquez secteur, Mekop. À 33, Mekop, et je bascule sur la 122. À plus tard. À plus tard. Sur Mekop. Ok, copie. Je mets en orbite sur ma position en attente d'instruction. Je t'envoie Astro 1-3 deux contacts Air Grand 0-20-60 nautiques. Affirme Marco. Marco affirme autorisé à les engager dès que possible. Nous avons des strikers qui sont sur secteur et un appareil type F-16 ne répondant pas à la radio unfriendly. 35. Tokyo 1-3 sur l'unité. Krasnodar Center pour secteur Mekop pour du strike. Bien pris, on a. Tokyo 1-3, vous avez Tali sur le dernier hostile? Je te laisse garder. 12 000 pieds, c'est ça? Negat, c'est du. Il est au relèvement 285 à 21 000 pieds. Dans tes midi pour 13 nautiques et en descente sur ta position. Tokyo 1-3, hostile au relèvement 330, 17 000 pieds maintenant. 7 000 pieds. 17 000 pieds. 17 000 pieds. Overlord, Vitol 2-2, bonsoir. Vitol 2-2, Overlord, bonsoir, identifié radar, indiqué mission. Vitol 2-2, un strike sur le chat. C'est bien noté, nous avons sur secteur un hostile au Bullseye 018 pour 72 traité par Capalier. Vous pouvez procéder, basculer sur la 122 décimale 0 avec Magic. C'est copié par la situation, je bascule sur la 122, Overlord. Vampire 1-1, Overlord. Overlord, Vampire 1-1. Nous avons plus qu'un seul hostile sur secteur qui va être traité par Cap Allié.
Vous pouvez procéder vers votre objectif et basculer avec Magic sur 122 décimales 0. Je t'envoie du monde. Hein. Compris, bascule sur 122 décimales 0. Vampire 1. Vitol. Tokyo 1-3, Overlord. Tokyo 1-3. Veuillez-vous Tally sur le style, JF-17. Négatif, je l'ai pas en visuel. Relèvement 0-10 à 30, 3000 pieds. 0-10, 3000 pieds, je descends. Pas de menace sur le secteur TUAPS, tu engages à convenance. Magic Vampire 1. Vampire 1-1, Magic, bonsoir à toi. Bonsoir. Vampire 1-1, identifie radar, indique type de mission. Vampire 1-1, mission CID pour les installations SA2 à l'est de Makeup, pénétration basse altitude. C'est bien pris, pour info, un JF-17 en cours de traitement secteur sud de Makeup. Et pour l'instant, le ciel est clair, rappel en fin de traitement. Splash. Et splash confirmé, Tokyo, beau travail. Vous avez une patrouille légère de J11, secteur sud. Il vous reste de l'ordonnance? J11, secteur Makeup a été traité. De Tokyo 1-3, j'ai plus d'ordonnance RR. Est-ce que vous voulez RTB? Tokyo 1-3, vous voulez retourner à la base ou passer en air-sol? Je passe en air-sol pour détruire quelques cibles sur Makeup. C'est bien noté, vous allez basculer avec Magic sur 122 décimales 0. C'est bien pris. Marcou 35, Overlord. 35. Commit, patrouille légère 2J11 hostile au bras 140 pour 50, 26 000 pieds haute. Respectez scrupuleusement vos aptitudes de vol pour la déconfliction. Merci à vous. Tokyo 1-3 revient vers toi. Bien pris. T'as de l'acide pour les 2J11 qui arrivent secteur Makeup là? Vampire 1. Au nord. C'est bien pris, j'ai 2J11 en approche de Makeup pour 50 nautiques. J'envoie Marcou dessus. Marcou 35, Overlord. Overlord. Bras 130 pour 47, 26 000 pieds, flanking gauche. 35, contact. On dirait qu'il y a un freeze, non? Ouais, je confirme, il y a un freeze. Ok, confirmé, pilote, j'ai l'impression qu'il y a un freeze serveur. Ok, ça semble être revenu. C'est, bon, c'est reparti. Donc, Marcou 35, vous allez commit sur 2J11 au bras 120 pour 35, 26 000 pieds flanking gauche. Nous avons un deuxième groupe MiG-21 un petit peu plus loin à environ 90 nautiques de votre position qui est haute. Magic Frelon 1-2, bonjour. Frelon 1-2, Magic, bonjour. Identifier radar F-18, indique émission. Magic Frelon 1-2, je suis en F-18 pour disponible pour de la CAP. Mission CAP, c'est bien noté. Vous allez prendre. Êtes-vous prêt? Non, correction. Vous allez prendre CAP 110, unité 0, montée niveau 350. Et rappelez dès que prêt pour copier picture. Très bien, je rappelle, prêt pour copier picture. Marcou 35, vous avez Tally sur les 2J11? Négatif, c'est ce que je dis. Bras 0,95 pour 23, 26 000 pieds flanking gauche. Sur place, ça risque de déjà être traité rapidement. Frelon 1-2, Overlord.
commandé, j'écoute. Prenez le cap 110, unité, unité 0. Bien pris, unité, unité 0. Bon, pour la picture Frelon 1-2, nous avons une patrouille légère de J-11 au bullseye 027 pour 60 qui va être traitée par un F-16 sur secteur. Nous avons un deuxième groupe, patrouille légère MiG-21 au bullseye 080 pour 60. Je vais vous faire un commit sur cette patrouille. Magic One One Magnum. One One Rifle. Cox 5 Rifle Chilka, centre de la piste. Vampire 1-1, Angel 12, retour en attente. Marco 35, Foxtrot. Vampire 1-1, c'est bien pris. Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute. Vous passez Fencing, je vous donne le bras pour interception de MiG-21. Bras 110 pour 73, 34 000 pieds hautes. Frelon 1-2, bien copié. Frelon 2, c'est Marco bien copié, ouais. Magic Vampire 1-1, répété. Marco, j'ai un splash, vous confirmez ? Je te laisse passer sur Overlord, la 2-7 unité, pour la cape. Overlord 2, level, tout à fait. Marco 35, hostile au relèvement 0-40, haute sur votre position, 17 000 pieds. Sur make-up, attention à vous, deux J11 qui approchent 40. Marc, vous pouvez commit sur J11, bras 0,40 pour 11, 20 000 pieds flanking gauche. Marc, vous commit. Et pour info, j'ai un J11A qui est pour la. Frelon 1-2, Overlord. Marc, 35, il a. Frelon 1-2, j'écoute. Jeudi, sur les 2021. J'ai Talis de 21. Autorisez à les engager dès que possible, passer Burster si possible. Toute évasive sera plein ouest, 270. Très bien, toute évasive plein ouest. Marco 35, confirmé, vous avez Tali sur le J11 On est en bord. Affirme Tali et juste. Tu m'as envoyé qui sur ma fréquence ? Je t'avais envoyé un Vampire One One, mais il s'est crashé apparemment. Merde. Problème. Ok. Bon, normalement, j'ai Marco 35 sur le J11, mais je sais pas s'il va pouvoir traiter les deux autres J11 à l'est. Ouais, j'ai bien vu, ça va être un peu léger, je les ai fait rentrer sous les hawks les, à tous. Marco Fox récupéré. Bien pris Tokyo 1-3. Dans ce cas-là, je te laisserai prendre un cap au 2-8-0 pour évasif. Il y a eu J11 qui arrive sur place. Marco Foxtrot. Magic Pig One One, j'écoute. Je me fais spike et j'entends.
Et splash pour Marcou, 35, beau travail. Immédiatement break droite, prenez cap 070 pour commit sur 2J11. Il vous reste de l'ordonnance, Marcou ? C'est bien pris, Marcou, 35, bras 080 pour 32, 46 000 pieds, haute. Marcou 35, vous risquez d'être spiké par du MiG-21 secteur sud, traité par un friendly type F-18. Marcou, Tahiti, de la ville. Marcou, force. Marcou, tout évasif, plein ouest si possible, de 7-0. En val 1-1 pour Magic sur la 122 en fréquence. Marcou 35, indiqué statut statut ordonnance. C'est bien noté, nous avons toujours les deux hostiles qui sont à l'ouest en défensif et les MiG-21 au secteur sud qui sont hautes sur votre position, environ 20 nautiques. Je vous propose de basculer sur le premier MiG-21 au bras 150 pour 19. Je vérifie son altitude, 35 000 pieds. Et 35, je climb Black Tree. Habille-toi en orbite dans ta position là et je te rappelle pour recommit sur, sur make-up. Ok, copy, je mets en stationnaire. Marcou 35, Joker Fuel. Joker Fuel, c'est bien noté, vous êtes à environ 40 nautiques de Krasnodar Centre. Vous avez possibilité de traiter le MiG-21 ? Ok, pour confirmation, bras 120 à 35 000 pieds. Frelon 1 de Overlord, immédiatement traité objectif au relèvement 0,50. Marcou 35, attention, départ missile friendly du sud. Marcou 35, vous pouvez RTB sur, en prenant le cap 300. Et vous rappellerez à 20 nautiques des installations de Krasnodar Centre. Et un splash pour Marcou Frelon. Frelon 1-2, vous avez Thalys sur le dernier hostile ? Non, pas encore. Relèvement 0,40, il est à 19 000 pieds. Overlord de Cowboy Flight, bonjour. Cowboy Flight, Overlord, bonjour. Je reviens vers vous, montée niveau 350. Marcou 35, immédiatement break gauche, maintenez altitude et prenez le cap 330. Ça chauffe encore secteur make-up, j'ai un MiG-21 en fin de traitement et ensuite tu pourras reprendre ta position. 350, c'est reçu pour Cowboy Flight. Gardez ton cap actuel, on va retourner sur make-up, je pense que le MiG-21 va pas tarder à être traité.
Marco 35, vous allez passer en fence out, prenez le cap correction 280 pour une insertion Sierra Echo sur Krasnodar. Marco 35. Frelon 1-2, vous avez Tali sur le dernier hostile. Frelon 1-2, j'ai le Tali sur le MiG-21. Autorisé à engager dès que possible, tout évasif sera plein nord, 000. Très bien, j'ai tiré dessus, Fox 3. Ça s'appelle comment? Cowboy Flight, Overlord. Overlord de Cowboy Flight, correction pour appât 350 en F5. On va rester à cette altitude, on va faire du casse à tuat. C'est bien noté, pour une mission casse, strike j'imagine, vous allez basculer avec Magic sur 122 décimal 0. C'est reçu, on bascule sur 122 décimal 0. 37 Tango, Echo Kilo. Magic, Frelon 1-2, le bandit splash. Frelon 1-2, splash confirmé, beau travail, Frelon 1-2. Statut ordonnance. Frelon 1-2, il me reste 3 Fox 3 et 2 Fox 2. C'est bien noté, vous allez passer en orbite verticale make-up et assurer la protection des strikers. C'est bien pris, vous avez une altitude à recommander. Vous passez bloc 3. Je t'envoie les cowboys bon, pris, en strike. Dernière station à plan pour Magic. Falcon 1-1, c'est bien pris. Identifié radar, négatif de mission. Écoutez, c'est un vol de découverte, donc j'ai 4 digitam et 2 AMRAM, j'attends du tasking. Overlord de Snow 1-1, radio check. Bien pris, Snow 1-1, Lima Charlie. Snow 1-1, niveau 420 pour de la cape en direction du Bullseye. Sur place pour du traitement tuable éventuellement. Snow 1-1, identifié radar, mission cap, c'est bien noté. Vous allez maintenir altitude et prendre un cap 100, unité 00. Êtes-vous prêt à copier la picture? Êtes-vous prêt à copier la picture? Falcon 1-1, si tu veux. Répétez dernière communication, s'il vous plaît. Snow 1-1, vous allez maintenir niveau, prendre un cap 100, unité 00. Et êtes-vous prêt à copier la picture? Affirmatif. Nous avons un groupe J11 au bullseye 058 pour 37. Et un second groupe J11 rouge au bullseye 040 pour 111. Bien noté. Je vais dessus. Donc Snow 1-1, vous allez prendre un cap 100 et je vous commit sur les 2 J11 secteur nord de Suchi. Cowboy Flight pour Magic. Bien pris pour un cap 100 secteur nord Suchi. Cowboy Flight, j'écoute. Frelon 1-2, Overlord. Vous me confirmez secteur Frelon 1-2, j'écoute. Vous avez une patrouille légère de J11 qui sont hautes sur votre position secteur sud. Actuellement, ils sont environ une cinquantaine de nautiques. Vont être traités par un F-14 callsign Snow 1-1. Cependant, je ne sais pas s'il aura le temps de les traiter. Donc, vous allez veiller le secteur sud, en particulier du Spike J11. Bon prix, je vais Spike J11. Snow 1-1, Overlord. Pour les 2 J11 hostiles, bras 0,80 pour 62, 26 000 pieds, flanking gauche. Bien pris, 66 000 pieds, bras 0,80. Et vous allez passer Burster, correction, vous allez passer Gate pour protéger les strikers secteur make-up. Bien pris, quel cap s'il vous plaît? Snow 1-1, cap 0,80. Ok, bien pris, cap 0,80. Ouais, pour Mage Knight. Snow 1-1, bonjour. Ouais, tu voulais me dire? Frelon 1-2, secteur make-up, il est là pour de la cape. Et oui, il assure la cape du secteur. Je suis pas sûr de dire
Sirius 1-1, Overlord, bonjour, identifié radar, indiqué mission. Sirius 1-1, S15 en mission Cap Culin. C'est bien noté, vous allez maintenir le cap. Nous avons au bullseye 036 pour 52, 2J11 qui sont direction secteur nord, pris, traité par un F-14 au secteur sud. Vous allez veiller, est-ce que vous avez déjà dit sur les 2J11? Négatif, aucun contact, ni en RWR. Vous devriez les avoir au relèvement 110, ils sont une quarantaine de nautiques environ. Alors je les vois à 26 000 pieds et je vois aussi que le serveur vient de friser, je ne sais pas si c'est temporaire. Ouais, je viens de voir ça également, je continue mission pour l'instant. Voilà, pour l'instant vous maintenez les caps, le temps que le serveur va bien revenir. Marco 30. Je dis qu'il sonnerait les GDAM si nécessaire pour intervenir. Bon, c'est bien pris. Marco 35. J'ai bonne condition de vue du sol, je pars en bas pour éventuellement protéger le... Marco 35, confirmé, vous êtes RTB Krasnodar. Hein. Affirme, je rentre en voyage. Ok, bien pris, vous pouvez passer à Krasnodar Centre, bon retour. Je suis descendu au niveau 350, toujours au cap 080. Snow and One, pour l'instant vous maintenez, je reviens vers vous. Break, break, Sirius 1-1, Overlord. Sirius 1-1, du coup. Interception 2J11, bras 080 pour 30, 20 000 pieds, flanking gauche. 080, 30, 20 000 pieds, Sirius 1-1. One Splash, tu me dis que le BTR que je viens de détruire n'est pas le bon, c'est ça? Frelon 1-2, Overlord. Je me demande si t'as pas... Frelon 1-2, j'écoute. Vous allez prendre un cap, vous allez prendre un cap 080 pour retour vertical make-up et passer en orbite. Bien pris, je rentre 080 sur make-up. Snow 1-1, Overlord. Dès que vous serez pied sec, vous passerez en orbite en maintenant altitude. Bien pris, orbite, ça tient avec ma maintenue d'altitude. Je rappelle dès que je suis en orbite. C'est bien pris, Salut Swan, One Overlord. Ok, c'était des BTR statiques pas menaçants. Bras 060 pour 29, 11 000 pieds, flanking gauche, passé gate. Je passe gate 060. Je vais tout à fait honnête avec toi, j'ai beaucoup de mal à rentrer les coordonnées. C'est pas quelque chose. Et Sirius, confirmé, vous êtes seul. Je vois un appareil qui a friendly qui vous suit. Call sign Viking 01 en Mirage 2000. Dans la piste, dans tes 2 heures, tu confirmes. Sur son je suis seul. Je confirme, je suis. Viking 01, vous êtes sur la fréquence? Ok, donc nous on est à la piste, normalement entre toi et la piste. Le BTR sur tes 9 heures maintenant, top. Sirius, le Mirage 2000, trafic à 25 000 pieds dans vos 8 heures. Négatif, à l'extérieur de la piste, entre toi et la piste. C'est bon, frère. Ok, copie. Et Sirius, confirmé, déjà dit sur les 2J11. Négatif, aucun contact. Sirius, bras 050 pour 26, 6 000 pieds, cold. Qui est capable de traiter à la GDAM. Je peux lui donner les coordonnées également à convenance. Non, c'est bon, je vais y arriver, t'inquiète pas. Marco 35 à Snow 1-1, Overlord, vous pouvez entamer orbite. Snow 1-1, je venais de commencer l'orbite, effectivement. Merci. Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute.
Vous avez deux friendly sur vos 3 heures et 2 heures qui vont traiter les deux J11 dans votre secteur avant. Si vous êtes accroché, autorisé, tir en annonçant, vous êtes numéro 3 pour traiter les objectifs. C'est bien pris, je suis numéro 3. Falcon 1-1, donc 1 BTR, novembre 44. Normalement, on a des départs simples sur notre position venant de nos 3 heures. Et j'envoie le César. Alors, il me manque des feintes du naufrage. J'ai été sur 35. La les coordonnées en. Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute. Autorisé à engager hostile bras 0,80 pour 15, 4000 pieds haute. Altitude 584 pieds. Très bien. Sirius 1-1, vous allez prendre relèvement 0,70 pour le deuxième hostile, si possible. C'est bien noté, je veille à Frelon 1-2, votre objectif est possiblement en train d'être traité. Et splash. Ok, c'est noté. Sirius 1-1, autorisé à engager deuxième hostile. Je vois que vous avez déjà tiré un missile, mais j'ai l'impression qu'il est pitbull. Frelon 1-2, vous pouvez entamer orbite sur secteur MECOP. Très bien, j'orbite sur MECOP. Frelon 1-2, indiquez playtime. Frelon 1-2, j'ai une heure et demie. C'est bien noté, il vous reste de l'ordonnance arrière. Frelon 1-2, il me reste la même ordonnance que tout à l'heure. Ok, c'est noté. Sirius 1-1, vous avez Thalys sur l'objectif ? Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute. Nous avons deux patrouilles légères secteur sud-est au bullseye 0,69 pour 65, type MiG-29 et Sukhoi 33, qui sont hautes sur votre position. On va les laisser venir parce que 1 contre 4 ça va être compliqué, en espérant que Sirius 1-1 puisse éliminer rapidement son objectif, vous serez 2 contre 4. C'est bien pris, j'orbite et j'attends l'instruction. Et Sirius 1-1, j'ai un splash, confirmé ? Splash confirmé, oui. Il vous reste de l'ordonnance RR ? Falcon 1-1, affirmatif, Fox 3 et Fox 1 et Fox 0 encore. Sirius 1-1, commit 2 Sukhoi 33, bras 160 pour 39, 45 000 pieds haute. 169, 45 000 pieds. Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute. Commit 2 MiG-29, bras 140 pour 49, 35 000 pieds haute. 140-49, c'est bien pris. Pour Sirius et Frelon, toute évasive sera plein ouest, 270. Sirius, confirmé, deux groupes de deux bandits. Affirme Sirius, vous allez prendre le groupe le plus à l'est. Niveau de vol, correction, altitude 46 000 pieds. Ok, copie, je rappelle cible capture. Et pour information, en fait, la cible est située au nord de la route. Frelon 1-2, vous rentrez en zone SAM, attention départ missile. Ok, copie, midi, 17 petits kilos. Sirius, langage Fox 3. Frelon 1-2, vous êtes défensif ? Frelon 1-2, je suis défensif pour l'instant, et puis s'il y a besoin, je peux repasser. Passer, commit, Frelon 1-2, bras 135 pour 32, 29 000 pieds, hot. 135, 32. Frelon
Roland 1-5, vous êtes derrière un Mirage 2000, ne répondant pas à la radio. Magic 1-1 de Delta 3-2, bonjour. Delta 3-2 Magic, bonjour à toi. Splash 1, Sirius 1-1. Et Splash confirmé, Sirius, vous avez Tali sur le deuxième hostile. C'est bien pris pour la situation make-up est en passe d'être négatif, je le cherche. Sirius, relèvement 220, 21 000 pieds. C'est un petit peu loin, mais tu peux d'ores et déjà prendre un cap au 140. Ok. Magic Frelon 1-2, j'ai visuel sur un Mirage 2000 qui est en feu. C'est noté, autorisé à engager les deux hostiles qui sont hautes sur votre position. 8 nautiques au relèvement 150. Sirius 1-1, Overlord, vous avez Thalys sur l'hostile ? Négatif. Sirius, relèvement 170, 3 nautiques. Frelon 1-2, les deux hostiles, Frelon 1-2, les deux hostiles sont très proches, ils sont au mer, je vous les avais Thalys. Ok. J'envoie le César. KMA 1-3, Overlord, vous êtes sur la fréquence ? Warwolf, Overlord, bonjour, identifié radar, un JF-17, indique émission et secteur. Mission RR et sur l'indication. C'est bien noté, mission CAP, vous allez prendre CAP 100 pour la pitcher. Nous avons un groupe MiG-29, 2 MiG-29 au bullseye 030 pour 76. Et un deuxième groupe, un Sukhoi 33 au bullseye 0,52 pour 70. Donc vous allez prendre un cap 100 et monter niveau 300. Kama 1-3, il est avec toi ? Affirme. Ok. Sont passés col, tu peux reprendre ton traitement. Tu me confirmes avoir été engagé SA2 sur ta cible. Un missile qui est parti dans ma direction, j'ai réussi à l'éviter en plongeant. Bon, c'est bien pris. Est-ce que tu es équipé pour traiter ce genre de cible ou pas? Il m'a resté un Maverick. Falcon 1-1, Overlord, vous êtes sur la fréquence? Magic. Overlord, Astro 1-3. Astro 1-3, bonjour. Identifié radar. Indique émission. Astro 1-3, en partant de Krasnodar pour aller sur TUAPS pour du strike en A10. C'est bien noté, mission A10 TUAPS. Vous allez basculer avec Magic sur 122.0. Warwolf, vous allez commit sur 2 MiG-29, bras 100 pour 70, 4000 pieds flanking droit, vous maintenez niveau. Tu as Falcon 1-1 ? Astro 1-3 Magic, rebonjour. Rebonsoir, un A10 en partance de Krasnodar à votre disposition pour du strike. Ah, c'est bien pris, alors pour un
info AS3-1-3, le secteur de traverse a été libéré. Dans le secteur actif, ça va être Sochi, 94 génétique de ta position. Mais le pilote automatique. Falcon 1-1, obéi. 1, vous êtes sur la fréquence ? Warwolf Overlord. Qui est sur une route au nord de Tuaps, à traiter également avec. Overlord de Warwolf, j'écoute. Pour vérifier cap, indiquez votre cap. J'ai pas actuel cap ça. J'ai un cap 0,91 pour vous. Vous êtes en cap vrai ou magnétique ? Appel à dynautique du cap. Magnétique. Parce que si c'est en cap vrai, je vous vois au cap 105. Et si c'est en cap magnétique, je vous vois au cap 0,97 maintenant. Ah là, ça va être du cap vrai, attends pas. Il n'y a pas de souci, Warwolf, vous allez changer d'objectif. Un Sukhoi 33 qui est flanking gauche au cap 0,90. Il évolue à 13 000 pieds. Orval 1-1, Overlord, bonjour, identifié radar, mission SID en SU-25. Indiquez destination. Là, je pense que c'est parti plus ou moins 0-9. Il y avait des SA-8 ou des SA-6. Plus ou moins dans cette Ouais, vous allez prendre un cap 100, unité 00 et basculer avec Magic sur la fréquence 122. Nous avons un Sukhoi 33 sur secteur qui va être traité par une cap alliée. Bien pris, vous pouvez répéter la fréquence ? 122 décimal 0. Bien pris, merci. Alors, je bascule. Je t'envoie Orval Sid. Orval se trouve à Krasnodar. Warwolf, Overlord. Orval 1-1, merci et bienvenue à toi. Est-ce que vous êtes vous avez déjà dit sur le Sukhoi 33 ? Non, pas encore. Warwolf, bras 0,90 pour 54, 2000 pieds cold. Warwolf, Overlord. Vous passez Fencing, tous les hostiles passent Cold. Vous allez passer en orbite verticale make-up en maintenant altitude. Altitude à votre convenance, bloc 3. Werewolf assure la défense de Makeup. Bien pris, merci à toi. Delta 3-2 est avec toi. Négatif. Delta 3-2, Overlord, vous êtes sur la fréquence ? Delta 3-2, Draco, sur la fréquence. Oui, je vous reçois. Delta 3-2, passé avec Overlord sur la 271 décimal 0 pour prise en compte. Ok. Bien pris, je peux t'aider pour du token éventuellement. Oui,
une indication par rapport à... Oui, alors, ben voilà. Delta 3-2, bonjour, identifié radar. Je vois que vous êtes en F-18, indiquez mission. Je me dirige vers Sochi pour engager des cibles au sol. C'est bien noté. Pour information, nous avons une patrouille légère de MiG-29 qui sont au relèvement 110. Bullseye 0,65 pour 68. Potentiellement dangereux. Je vous propose une prise en charge par Magic. Pour l'instant, vous allez veiller ma fréquence. Je vais vous basculer tout à l'heure sur, avec Magic. Ok. Warwolf Overlord. Ok. Je vous vois vertical make-up. Vous pouvez entamer l'orbite. Ne descendez pas en dessous du niveau 300. Bien fait. Delta 3-2, Overlord. Oui. Le groupe MiG-29 est cold. Vous pouvez basculer avec Magic sur 122.0. Cible Salon okay. Osa, 37 Tango. Merci, alors. Rico Kilo, 23-15. Pourquoi il veut pas hein. C'est quoi ce délire? C'est bien pris, accompagné de 2 à 3 BTR, j'ai pas confirmation du nombre. Magic, Frelon 1, 2, bonjour. Dernière position dans, dans la patrouille. Frelon 1, 2, avec Overlord. Autant pour moi, Frelon 1, 2, Overlord, on est en F-14, disponible pour la CAP. Indiquez nombre d'appareils. Frelon 1, 2, on est un seul F-14. C'est bien noté, je vois Frelon 2-2 à Riducci. Oui, c'est ça, je suis Rio. Ok, c'est bien noté. Identifié radar, mission CAP. Vous allez prendre CAP 0,60 et monter bloc 3. 0,60 bloc 3, c'est bien pris. Vous rappellerez dès que vous serez pied sec. C'est bien pris. Falcon 1-1 est avec toi. Hein. Affirme, il essaye de traiter la dernière cible sur make-up. C'est laborieux. C'est compliqué. J'ai des changements de classification. C'est bizarre. Sirius 1-1, Overlord, bonjour. Identifié radar. Confirmer mission CAP. Sirius, vous allez monter bloc 3 et maintenir le cap. Je maintiens le cap, bloc 3. Je vais demander de passer pieds mouillés et c'était un virage droit. C'est de ma faute. Frelon 1-2, Overlord. Gardez votre, faites un virage main droite. Frelon 1-2, j'écoute. J'ai une patrouille légère de MiG-29 au bullseye 0,98 pour 44, potentiellement dangereux pour un friendly. Vous allez donc prendre cap 104, correction, cap 100 et maintenir niveau. C'est bien pris, et bien on fait au plus vite. Ça, vous allez passer gate Frelon. On passe gate. Snow 1-1, Overlord, vous êtes sur la fréquence ? Voilà, Snow 1-1, affirmatif, on est niveau 360 dans le secteur Cobalt. Secteur Cobalt, c'est noté, vous, mission CAP ?
Affirmatif, mission cap en direction Bullseye. Vous allez prendre le cap 080, nous avons déjà une cap au sud. Prenez cap 080 et maintenez niveau. Bien noté, cap 080 avec maintien niveau. Frelon 1-2, Overlord. Frelon 1-2, j'écoute. Pour intercepter les deux hostiles, bras 110 pour 70, 10 000 pieds hautes. C'est bien pris, on engage les deux. Ah, il faudra que, ouais, y a un conflit de tes touches F2, F3, F4. Ça change la symbologie des cibles. Affirme, faut que. Ouais, non, t'es faut, ouais, sur l'intercom. Ouais, c'est bien pris. On regardera ça. Ok, ça marche. Et pour info, j'ai envoyé Delta 3-2 en soutien de Kama 1-3 sur les 2 MiG-29, là, secteur Sochi. On verra okay. Frelon 1-2 ou un allié entre les deux bandits. Frelon 1-2, nous avons deux friendly, un qui est en merge avec les 2 MiG-29 et un deuxième allié type F-18 au bullseye 0.25 pour 18 qui commit sur les hostiles, il arrive en renfort. Donc Frelon 1-2, vous serez en support. Le friendly secteur avant vient d'être abattu apparemment. Delta 3-2, Overlord, vous êtes sur la fréquence? J'ai qu'un seul BTR, il est pas très loin de ta position. Tu veux des coordonnées ou... Frelon 2-2, Overlord. Frelon 2-2, j'écoute. Nous avons le F-18 dans vos 11h, callsign Delta 3-2, qui engage les deux hostiles type MiG-29. Vous serez en support. C'est bien pris, je les vois au deck, les trois. Affirme, 2000 pieds et en montée. C'est bien pris, je te donne un cap tout de suite. Overlord, coq 35. Coq 35, Overlord, identifié radar, indique émission. Le coq 35 est en mission de supériorité aérienne. Coq 35, mission supériorité aérienne en F-18. Vous allez prendre cap plein est 090 et monter bloc 3. Gauche 090, bloc 3, coq 35. Pour la picture, coq, nous avons du MiG-29 au bullseye 080 pour 16, engagé par des friendly. Nous avons ensuite du Sukhoi 33 au bullseye 0.56 pour 140 qui sont cold. Et enfin, une patrouille légère MiG-31 au bullseye 0.58 pour 150 qui est haute sur votre position. Donc pour l'instant, vous allez juste faire de la mission TARCAP. Je vous reviendrai vers vous pour l'orbite. Coq 35. Warwolf, Overlord. Indiquez playtime. Warwolf, est-ce que vous avez possibilité de m'indiquer le temps de mission ou statut carburant? Statut carburant, Citon restante. Citon, c'est noté. Frelon 1 de Overlord, vous avez contact, vous avez déjà dit sur les deux hostiles? On n'a pas le contact radar, il semblerait qu'il soit masqué par le terrain.
Négatif, sont très bas, pieds mouillés. Frelon 1-2, bras 0,75 pour 22, 3000 pieds, flanking gauche. C'est bien pris, on va descendre pour aller chercher. Autorisé à les engager, à votre convenance, ils viennent d'abattre le freiné. C'est bien pris, on va le 1-1, si vous voulez. Snow 1-1, Overlord. Comme si vous voulez vous poser sur la piste, Snow 1-1. Nous avons 2 MiG-29 dans vos 3 heures qui sont hautes sur votre position, environ 25 nautiques. Est-ce que vous avez déjà dit la cible, en Valois 1, la cible en fait est située, quand vous allez arriver en alignement en finale sur la 22, la cible sera en fait dans le premier tiers de la piste sur la 22. Snow 1-1, affirmatif, contact radar établi à 3 heures. Négat, vous serez numéro 2 derrière un F-14. Pour l'instant, vous allez faire un break 180, prendre plein ouest 270 pour libérer le secteur. Vous serez en support de Frelon 1-2. Bien pris pour le break en 270. Sirius 1-1, Overlord. Commit 2 MiG-31 au bras 0,80 pour 90. 38000 pieds haute. Toi de voir si tu peux 0,80 pour 90 sur le soir. 141 pour 60 nautiques. Okay. Warwolf, Overlord. Je vais descendre sur Sochi. Vous allez accompagner Sirius 1-1 en F-15 pour commit sur les deux MiG-31. Nous allons les prendre en tenaille. Bras 100, unité 0-0 pour 77 nautiques, 39 piles pieds haute. Coq 35, Overlord. Coq 35. Vous allez passer en orbite verticale make-up au cap 0-50, maintenir niveau. Coq 35, bien copié. Négatif, répétez. Coq 35, prenez cap 0,40 à 13 nautiques. Vous serez vertical make-up et vous entamerez orbite. Reçu cap vertical make-up, coq 3-1. Correction, 35. Snow 1-1, Overlord. Vous pouvez commit sur les deux hostiles au bras 0,80 pour 9. 9000 pieds, flanking gauche. Bien compris, on va dessus. La prochaine fois, c'est revenir avec de la GBU-12 et demander à un autolèse. Sirius, on marche par défensive SAD. Défensive pour Sirius, c'est noté. Warwolf, vous avez déjà dit sur les deux hostiles ? Je le ferai avec plaisir. Oui, je le dirai là-bas. Vous êtes numéro 1 pour engager les 2031. Bien pris, hein, je répète la cible, je pense. Bien compris. T'as acquis visuellement la cible Le BTR, c'est quoi exactement? C'est un Snow 1-1, vous avez déjà dit sur les deux MiG-29? Snow, c'est en cours. Snow, vous prenez relèvement cap 0,50, 17000 pieds. Snow 1-1, cap 0,50, on les a radar, on traite. Ah, c'est bien pris. Ok, c'est bien pris. Sirius 1-1, Overlord, toujours défensif. Sirius 1-1, Fox 3, pardon. Sirius 1-1, répétez. Sirius 1-1, défensif terminé, je reprends mission. C'est bien noté, Sirius 1-1, bras 100 pour 49. 42000 pieds haute, vous êtes numéro 2 derrière Warwolf en JF-17. C'est bien pris en support, Sirius 1-1. Dès que tu as passé pieds mouillés, tu prendras un cap au 170. Je pars au 170. Dès que je suis au-dessus de l'eau. Merci. Ouais, pour Magic, pour Mage, pour Knight. Ouais, j'écoute. Je vais
Astro 1-3 qui va descendre secteur Sochi. Si tu peux m'envoyer de la cap sur place, ce serait pas mal. Et même de la CID pour traiter sur place également. Ouais, ok, je vais voir peut-être avec Snow, sinon je te fais descendre en photo. Splash 1. Et Splash pour Snow. Snow 1-1, Fox 3. Snow 1-1, Fox 3. Coq 35, Overlord. Coq 35, encore un souci radio apparemment. Coq 35, Defending Guideline. C'est noté. Overlord de Snow 1-1, vous pouvez transmettre l'hôtelier sur le bandit s'il vous plaît. Snow 1-1, bras 0-15 pour 11. 33 000 pieds cold. Warwolf, deux splash, grand slam, beau travail. Warwolf, statut ordonnance. Pardon, ça je connais pas. J'ai pas compris, répétez. Je sais pas exactement quelle ordonnance, désolé. Ah, ordonnance, les missiles RR. Ah, ok, 2 SD10 restants, plus 2 IR. C'est bien noté, Warwolf, vous allez prendre un cap 180 plein sud. Je vais vous commit sur 2021. On va bien lâcher. Coq 35, Overlord. Coq 35, vous allez prendre un cap 170, vous allez être en support d'un F-14 pour traiter un MiG-29. C'est bien pris, il faudrait que je vous envoie une photo de Coq 35. La VTR pour voir à quoi ça ressemble. Overlord, Ramen 1-1, bonsoir. Ramen 1-1, Overlord, bonsoir. Identifié radar, indiqué mission. Overlord, Ramen 1-1, F-18, disponible pour cap avec 8 Fox 3, 2 Fox 2, 2 Fox 1. Ramen 1-1, mission cap, c'est noté, vous allez prendre un cap 140 et monter bloc 3. Je reviens vers vous. Bien pris pour Ramen 1-1, cap 140 et bloc 3. Warwolf, Overlord. Alors, j'écoute. Vous risquez de rentrer en zone SAM, attention départ missile, commit sur 2021, bras 160 pour 56, 26 000 pieds, hot, rappelez dès que j'ai dit. Merci. Coq 35, Overlord, vous avez un hostile dans vos 6 heures, normalement traité par F-14. Coq 35, Tumbleweed, rétrograde 280. Coq 35, vous allez prendre plein sud, unité 8-0 pour laisser la place à Snow 1-1. Correction, break plein nord, Coq 35, l'hostile évolue. Ok, Coq 35 va rétrograde ouest. Snow 1-1, relèvement 290, 3000 pieds. Bien pris, je plonge dessus. Bonjour, le radar sur bandit. Sirius 1-1, Overlord. Vous pouvez rétrograde au cap 260 et maintenir niveau. 260, je maintiens niveau. Warwolf, Overlord, vous avez contact sur les deux hostiles? Warwolf, contact sur les hostiles. Autorisé à engager dès que possible, tout évasif plein nord, 000. Oui, je peux, j'ai du stock ici. Bien reçu. Overlord, demande statut sur le bandit, s'il vous plaît. Snow 1-1, Snow 1-1, relèvement 160, 900 pieds. Merci. Coq 35, Overlord.
prenez le cap 100 pour commit sur un MiG-29, vous êtes numéro 2 derrière F-14. Snow 1-1, vous avez Tali au relèvement 130. 130, 7 nautiques, 800 pieds. Marco 35 Overlord à F16 en 4-0 de plus pour de la 4S Krimsk passant les 160. Marco 35 Overlord identifié radar. Mission cap, vous allez prendre cap 080 et monter bloc 3. Je reviens vers vous. 080 bloc 3 à 35. Snow 1-1, confirmez Tali. Snow 1, pas de visu, je n'ai plus de Fox 3, je suis en Fox 2. Snow 1-1, au relèvement 160 à 2 nautiques, 1000 pieds. Vous êtes merge quasiment. Ouais, vous êtes, je vous vois merge, il est 180 maintenant. Il va bientôt passer Rivière. Il est au relèvement 060, Snow. Prenez un cap 080 pour interception. Coq 35, Overlord. Overlord, Coq 35. Est-ce que vous avez Tali sur le style et visuel sur le friendly? Coq 35, standard. Snow 1-1, splash confirmé. Et c'est du beau travail, Snow. Snow, je vous propose RTB. RTB sur Make-up, si possible. Make-up est dispo. Je suis désespérément obligé de te dire non. Négatif, Snow, Make-up est pas tout à fait libéré. Je vous propose Krasnodar. Bien pris, Krasnodar, de Montefel 300. Niveau 300, prenez cap 290 pour insertion Siraïko de Krasnodar Centre. Vous rappellerez à 20 nautiques des installations. Coq 35, Overlord. Acta 1-1 pour, Overlord, pour Magic, sur la 122, t'es encore dispo? Coq 35. Commit sur un MiG-21, vous allez défendre en même temps le secteur sud, bras 140 pour 65, 24 000 pieds flanking droit. Vous allez croiser trafic type F-14 en montée, secteur avant, il est à environ 13 nautiques. Coq 35. Sirius 1-1, Overlord. Overlord, Sirius 1-1, j'écoute. Indiquez statut carburant et ordonnance. Carburant 17.0 et ordonnance 4.2+. J'ai une patrouille légère de J11 au Bullseye 057 pour 133. On va partir en interception sur cet objectif. On va essayer de les prendre en flanking. Vous allez prendre le cap 080-080. Ramène 1-1, Overlord. Vous passez Fencin. Vous allez prendre un cap 120. Je vous commit sur un MiG-21. Au Bullseye 070 pour 51. Évoluant à 35 000 pieds. Non, il est plus visuel sur le bandio data link pour Ramon Wanwan. C'est bien noté, vous allez prendre le cap 130, Ramen. Cap 130 pour Ramon Wanwan. Ta position actuelle, attends.
Coq 35, overlord défensif. Coq 35 négatif, guideline 9h pour 20 nautiques, correction 15 nautiques. Je contourne le guideline. Ok, je pense que ça va rouler. Overlord, VTL 2-2, remission. VTL 2-2, overlord, identifié radar, indiqué mission. VTL 2-2, mission par cap sur secteur Sochi. C'est bien noté. Vous, pour le, la picture, nous avons un MiG-21 au Bullseye 0,77 pour 39 et deux friendly sur secteur. Correction, un seul friendly sur secteur. Vous pouvez commit sur l'hostile. Vous allez être assisté d'un F-18 call sign Ramen 1-1. Marcou 35, Overlord. 35, j'écoute. Vous passez Fansin. Nous allons faire une interception patrouille légère 2J11, Bullseye 0,53 pour 116. Vous accompagnerez Sirius 1-1 en F-15. Vous allez prendre un cap 0,90. 0,90. Sirius 1-1, Overlord. Sirius 1-1. Les hostiles passent haute sur votre position. Vous allez prendre bras 110 pour 52. 38 000 pieds, haute. 110 pour 52, 38 000 pieds. 33, le MiG 21 dans tes 5. Vitol Tutu, Overlord. 1500 pieds sur toi. Vitol 2-2, j'ai quoi ? Bras 0,75 pour 36, 3000 pieds, flanking gauche. 0,75, 36, 3000 pieds, flanking gauche, j'ai connu les pattes de 2. Et tout évasif sera plein ouest, 2,70. 2,70 pour évasif, les pattes de 2. Sirius 1-1, Overlord, vous confirmez, vous êtes Jedi ? Je confirme et j'engage, Fox 3. Coq 35, Overlord. Coq 35. Lorsque vous serez littoral, vous entamerez un orbite vertical littoral. Coq 35 poursuit sud et établirait cap pied mouillé. Coq 35. Marco 35, je t'allais contre elle. Marco 35, probablement F-15, 23 nautiques, relèvement 120. Ok, je l'ai en visu. Marco 35, vous allez prendre un cap 120, unité de 0. Marco cap 120. Vitol Tutu, Overlord. J'écoute. Bras 0,70 pour 27. Correction, splash. Overlord 211, la destination de Krasnodar, 20 nautiques. Tu peux reprendre ta mission actuelle, grand slam sur le secteur. Allez, Snow 11, vous pouvez prendre cap 330 et basculer avec Krasnodar Centre. Bon retour. Merci, à tout à l'heure. Vitol, Overlord. Sur secteur, un A10 friendly, vous assurez sa protection orbite Sochi. Orbite Sochi, protection de 10 Vitol 2. Ramène 1-1, Overlord. Ramène 1-1, j'écoute. Dans 2 minutes, vous ferez un break 180. Vous allez assurer la protection du secteur nord de Sochi. Vous vous mettrez en hippodrome. Vous vous ferez pour ramener 1-1 avec un break 180.
Magic, j'ai atterrissage en piste. Ah, tu confirmes toujours la présence de Sam là, sur l'aéroport de Sochi ou celui qui est décalé? Marco 35, Overlord. Vous allez passer gate pour rejoindre F-15 Sirius 1-1 qui est en train de traiter deux rouges. Nous avons notre patrouille légère type Sukhoi 33 au bullseye 0,59 pour 140 qui est haute sur le friendly. Sirius 1-1, un splash, vous confirmez? Sirius 1-1, splash et Mojo sur le deuxième. Vous êtes merge, il est 5000 pieds. Il est maintenant au relèvement 0,20. Sirius, relèvement 0,50, 11000 pieds. Sirius touché, je m'éjecte. C'est noté, j'envoie le César. Marco 35, Overlord. Delta 3-2, Magic. 35, je compte. Autorisé à engager J-11 pour défendre le friendly qui vient de se faire abattre. Est-ce que vous avez contact? T'es en train de traiter. Toi, Étienne. Je viens te mettre en stationnaire et attendre le splash. Ok. Ramène 1-1, Overlord. Vous allez porter assistance à F-16 Callsign Marco 35, commit sur 2 Sukhoi 33, bras 0,60 pour 95, 34000 pieds flanking gauche. Bien pris pour Abel 1-1, cap 0,60. Ouais, j'écoute. C'est Kobayashi qui a traité aux armes le site SA2 sud-ouest, nord-ouest de Sochi. A priori non. Enfin, j'en sais rien. Marco, contact là. Je confirme l'existence d'un SAM. Marco 35, nous avons le J11 qui est cold et nous avons les deux Sukhoi 33 hautes sur votre position. À bord de mission, vous êtes autorisé à engager les Sukhoi au cap 100 à 50 nautiques. Copie. Coq 35, Overlord, vous avez du trafic dans vos 12 heures, vous les avez en visuel? Coq 35, négatif. Ils évoluent plus bas que vous, 25 000 pieds, 12 heures et 1 heure. Coq 35. Coq 35, vous allez prendre cap 110, nous avons de nombreux hostiles qui décollent de Sukhoi. Cap 110, coq 35. Ah, c'est bien pris, effectivement, SA1, je l'ai pas vu, ma faute, my bad. Voilà, de Warwolf, pour retour sur la fréquence en mission cap, demande l'instruction. Warwolf, identifié radar, mission cap, vous allez prendre cap 110, monter bloc 3, et vous rappellerez dans une soixantaine de nautiques. Warwolf, bien pris. Ramène 1-1, Overlord. Ramène 1-1, prenez le cap 0,40 et passez Buster. Bien pris, Buster, cap 0,40, prenez. Nous avons deux patrouilles rouges hautes sur votre position, secteur sud, qui vont être traitées par des friendly. Je vous commit sur les Sukhoi 33. J-11. Coq 35, Overlord. Coq 35. Est-ce que vous avez déjà dit sur les deux groupes de deux secteurs avant? Coq 35, négatif. Nous avons une patrouille légère J-11 Bullseye 0,96 pour 80. Et une patrouille légère Sukhoi 27 Bullseye 0,96 pour 88. Vous allez traiter les deux premiers, les J-11, le groupe le plus à l'ouest. Coq 35. Donc Coq 35, prenez cap 100, unité 0,0. Marco 35. Je fais top
Marco 35, j'ai un splash, vous confirmez? Un élève doit s'assurer. Ramène 1-1 Overlord. Autorisé à engager les deux Sukhoi 11 dans votre secteur avant. Vous avez Jeudi? La position de la cible à traiter. Jeudi pour Ramen 1-1, je connais. Marco 35, vous êtes numéro 2 derrière Ramen 1-1 en F-18 qui commit sur les deux Sukhoi 33, sauf si vous êtes engagé, en ce cas vous passez en autodéfense et vous êtes autorisé à les éliminer, annoncer les Fox. Coq 35 Overlord, passé Gate, nous avons les deux J11 qui sont dangereux pour des friendly. Bras 100 pour 51, 29 000 pieds hautes. Marco Fox, vous êtes par missile, je tourne. Coq 35. Actawan 1 dispo, vas-y, j'écoute. Actawan, ne bouge pas, je te rappelle. Break, Astro 1-3, Magic. Astro 1-3. Le tour a été traité, pardon. 3 pour info, j'ai deux J11 qui arrivent sur ta position 30 nautiques. Je te suggère un cap évasif au 290 pour le moment. Et attention au départ SA18. Ouais, à 33, je viens d'être touché. Et Overlord de Papy, je vais engager deux MiG-29 a priori sur RWR qui sont en GEL 33 au niveau de Tsuchi. Papy 4-1, identifié radar, c'est bien noté, mission cap autorisé à engager les deux J11. Coq, break, break, Coq 35, vous êtes numéro 2, derrière Papy qui engage vos objectifs. Coq 35, passe buster. Papy Fox 3 sur lead. Ramène 1-1, Overlord. Ramène 1-1, j'écoute. Vous allez engager le J11 qui est passé cold, pas la peine de passer gate, hein. Ne vous épuisez pas, vous allez prendre le cap 0,60. C'est 9h pour 2 nautiques 6 et en fait il est de ton côté de la piste par rapport à... Bien pris pour ramener le cap 0,60. Marco 35, j'ai un splash. Marco, copie. Marco, passez en orbite, je reviens vers vous. Marco 33. Le BTR dans tes midi normalement pour 2 nautiques 5. Papy 4-1 Overlord, engagez si possible l'objectif, l'hostile le plus au nord, Coq 35 l'objectif le plus au sud. Coq 35 Rose, je suis plus loin. Marco 35 Overlord. Prenez cap 140, nous avons deux Sukhoi 27, secteur sud. Pas la peine de passer gate, vous restez vitesse économique, ils sont pas particulièrement dangereux. C'est bien fait pour information, Marco, 5 tonnes. Langage de CBU et je rentre. 5 000 tonnes remaining. Ok, donc on va pas s'épuiser, je vous propose de rester en orbite pour l'instant et voir l'évolution des hostiles. Ramène 1-1 Overlord. Autorisé à engager les deux Sukhoi 27 secteur sud. Vous les avez sur. Vous avez Jeudi? Jeudi pour Ramène 1-1, je commit. Autorisé à les engager. Attention, départ Sam. Coq 35 Fox 3, vous les avez 0,99, 57, 16 000 route ouest. Et splash pour Papy et Coq 35, grand slam sur secteur. Les plus proches hostiles sont à 70 nautiques, vont être traités par un F-18. Je vous propose de passer en orbite verticale Sochi pour assurer la protection des strikers. Coq 35. Papy, négatif, il me reste deux armes que je vais essayer de balancer sur le 15 qui shoot. C'est bien noté, Papy. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer avec la 122 Magic.
Ouais, le Cowboy Flight, ils font quoi exactement sur ce chip? Qui ça, tu dis? Bah, j'ai un Cowboy Flight. Aucune idée. Delta 3-2, bien joué à toi. Je te laisse te reporter cette morceau de chi. Ramène 1-1 Overlord, 1 splash, vous confirmez? Splash confirmé pour Ramène 1. Vous avez Jedi sur le deuxième? Jedi sur le second. Marco 35 Overlord. 35, Marco 35 Overlord. Cowboy Flight pour Magic en fréquence? Autorisé, engagé, Sukhoi 27 au bras 130 pour 48, 14 000 pieds, flanking droit. Marco 35, j'engage. Marco 35, vous ferez bien attention, de nombreux sites SAM ont été notés sur secteur. Attention des départ missiles. Marco 30. J'ai encore une cible active sur place, elle n'a pas été sautée. L'acquisition visuelle de toi cible avant le lancement. Il s'agit d'un BTR-80 et le long de la cible, il y a pas mal de véhicules pour le pour le. Et Overlord, Cowboy 1-8 Cowboy 1-8, go. Overlord, j'ai eu une communication de 122 sur la garde. C'est moi qui l'ai contacté. C'est noté, c'est la 122. Indiquez mission, Cowboy. Et bien pris, mission strike sur le SA2 en pop-up dans les montagnes. C'est bien noté, basculer sur la 122 avec Magic dans ce cas. Et bien pris, je bascule 122 Magic. Marco 35 Overlord. Marco 35 Overlord. Bras 150 pour 35, 27 000 pieds, flanking droit. Vous avez déjà dit? Ah tiens, vous avez dit. Engagez le dès que possible, quitte à passer gate. Il devient dangereux pour des friendly. Marco 35, gate, j'engage. Magic, Cowboy Flight. Cowboy Flight, Magic, bonsoir à vous. Magic, on est en radada sur les montagnes pour frapper le site SA2 proche de Sochi. C'est bien pris, Magic, Cowboy, pardon. Je vais demander. Warland, Warwolf, 60 petits parcourus proche de Make-up. Je vais éviter la déconfliction. Warwolf, c'est bien noté, vous passez Fence In. Voilà, vous allez prendre le cap. Cap 065 est passé en orbite verticale Make-up. Ouais, bien sûr. Pour la picture, pour l'instant, grand slam. Acta 1-1 pour Magic. Ouais, j'écoute. Acta 1-1, je t'ai perdu au radar. Tu peux m'indiquer ta position? Je suis en bout de piste. Marco 35, c'est bon, Fox. Ah, c'est bien pris. Tu peux faire l'acquisition visuelle des véhicules que tu as situé au bout de piste côté nord. Ce que tu as sur la droite de la piste entre. Marco 35, splash confirmé. Splash confirme, request RTV. Et c'est du beau travail, Marco. Vous allez prendre un cap 290. Et attention, départ au missile, vous allez probablement croiser du SAM. Je peux même vous proposer de prendre le cap 260 pour une rejointe littorale, ça sera peut-être plus safe. Marco 35, je tourne à gauche au 260. Coq 35, Overlord. Overlord, Coq 35. Le seuil 22 de la piste. Nous avons deux nouveaux objectifs. Patrouille légère, MiG-29, Bullseye, 100 pour 95, haute sur votre position. Vous allez prendre cap 110. Cap 110, coq 35. Vous vous rappellerez dès que je dis. Coq 35. Delta 3-2 pour Magic. Delta
3-2, Magic. J'envoie coq 35 sur les hostiles Tsukumi. Bien pris. Les cowboys sont avec toi. Hein. Affirme, je les préviens. Cowboy flight pour Magic. Cowboy flight. Pour info 2029, secteur Tsukumi, 26 000 en... Coq 35, Overlord. Overlord, coq 35. Deux hostiles, bras 110 pour 47. 26 000 pieds haute. Coq 35. N'était pas en fréquence avec Fox 3-1 Fox 3-1, je l'ai jamais eu, malgré les appels. Coq 35, j'ai un départ missile friendly sur vos hostiles, dans vos 11 heures. Coq 35, reçu. Photon, c'est pas simple, ce soir tout le monde te pique tes cibles. Hein. J'étais en train de regarder le tableau de score et de pleurer à ce moment-là. Dernier rappelant, répétez call sign. Warwolf, départ missile. Warwolf, vous confirmez départ missile vertical make-up? Confirme. C'est le Kamov qui traite. Ok, Warwolf, nous avons un K-50 qui est en train de traiter objectif au sol. Merci. Indiquez si vous avez visuel, je pense qu'il doit être relèvement 200 à 5 nautiques environ. Alors on va faire plus simple, tu traites tous les véhicules qui sont aux alentours de la piste, on va bien finir par l'avoir, cette saloperie. Coq 35, Overlord. Coq 35. 2J17, JF17 au bullseye 063 pour 166. Haute sur haute position. Vous allez prendre un cap 050. Cap 050. 050, coq 35. Voilà, et pour info, vous risquez de passer vertical quelques sites potentiellement SAM. Donc attention à tout départ missile. J'ai pas encore une visibilité bien claire. De plus, je vais vous amener assez loin en territoire hostile, histoire de faire remonter les scores quand même. Donc prenez cap 050, ils sont à 120 nautiques. Pas la peine de passer gate. Hein. On va 22, on ne fait aucun visuel sur K50 confluageuse trop dense. C'est bien noté, il vole très bas, je pense qu'il doit être... il est au relèvement 210 à 10 nautiques environ. On va bien tout. J'entame le site SA2 au canon, hein. 3 cibles abattues. Vous confirmez secteur Sochi? Secteur Sochi, je confirme. C'est bien pris, le site avait été désactivé et le TOR sur place également quelques minutes avant vous. Coq 35, Overlord. 35. Vous allez passer Burster pour commit sur 2JF17, bras 0,50 pour 97, 28 000 pieds haute. Coq 35, Buster. Et le Buster, c'est juste pour éviter que tu te fasses piquer les cibles par un friendly. Ah putain, ça me rend très triste. Essaye de te pencher en avant, gagne de la vitesse. Ah, j'ai le nez dans le guidon. Marco 35, est-ce que Fox t'es des mecs là? Delta 3-2 pour moi. Ah bah je t'ai au radar, Fox 3 sur toi. Delta 3-2, Delta 3-2. Ah, re-bienvenue parmi nous. Delta 3-2, prêt à copier la picture sur Soti. Hôpital est dans la transmission. Delta 3-2, pour information, sur Sochi, il reste 2, 4, il reste
de menaçant du BTR et un T-72-2. Warwolf, Overlord. Le dernier... Alors, j'écoute. Nous avons un F-16 et un MiG-29 Friendly qui arrivent dans le secteur ouest. Est-ce que vous les avez au Datalink? Non, je sais. Ok, c'est bien noté. Frelon 1-4 et Frelon 1-5 Overlord. Frelon Flight, vous êtes sur la fréquence? Frelon 1-4, MiG-29 sur fréquence. Frelon 1-4, MiG-29, confirmez, vous êtes avec le Frelon 1-5, à qui? Présence avec Frelon 1-5, à qui? Confirmé. Mission Cap. Mission Cap, c'est ça? Je confirme, Mission Cap. Ok, c'est bien noté. Vous allez prendre Cap 050 pour... vertical vanautique, vertical make-up, vous vous mettrez en orbite vertical make-up. Cap 050 pour vertical make-up, bien pris. Warwolf, Overlord. Vous allez prendre cap 090, nous avons une patrouille de J11 qui vient de décoller. Bien pris. Coq 35, Overlord. Coq 35. Bras 055 pour 54, 36 000 pieds haute. Jeudi. Coq 35, négatif. Acta 1-1, magic. Oui, j'écoute. Ta cible au 226 degrés pour une nautique. Frelon Flight, Overlord. Frelon Flight, oui. Vous allez vous établir niveau de vol 35. Vous êtes à environ 18 nautiques de make-up. Flight level 35, 18 nautiques make-up, bien pris. Warwolf, Overlord. Vous allez maintenir niveau de vol 300 pour des conflictions et le commit sur les J11 est au bullseye. 0,61 pour 170, vous allez donc prendre un cap 0,90. Coq 35, toujours no joy. Négatif, mais plus je me rapproche et plus j'ai de chance d'avoir contact, Coq 35. Ouais, j'y crois à mort. Coq 35, rappel du cap 0,60, ils sont à 30 nautiques, 45 000 pieds maintenant. Warwolf, Overlord. Indiquez votre cap pour vérification. Vous êtes en cap vrai donc. Ok, bon, on va partir en cap vrai. Dans ce cas, Warwolf, vous allez prendre un cap 100. Fox 3 et 2 ships, bullseye 0,78 pour 115. Tout évasif sera plein ouest, Coq 3-5. 35 reçu. Marco 35, Overlord. Je vous propose RTB sur Gelenzik, ça vous convient? Vous êtes à une cinquantaine de nautiques. Je peux RTB sur n'importe quel terrain. Vous allez prendre le cap 295 pour insertion Echo. Vous rappellerez à 20 nautiques des installations. Marco 35, cap 295 et 20 nautiques des installations. Je rappellerai 20 nautiques des installations. Coq 35, 2 splash, confirmé. Coq 35.
35 affirme. Et enfin, on y est arrivé. Coq 35, j'ai deux hostiles type J11. Vous les avez au data link? Coq 35 affirme. Autorisé à les engager dès que possible, évasive, plein ouest, 270. Coq 35. Goodrey Follow 1-4 pour Follow Flight, on a passé vertical make-up, on attend les instructions. Follow Flight, vous allez passer en orbite. Vous allez passer en orbite vertical make-up. Ça, c'est mon data link. C'est-à-dire, ce que je vois là, en fait, ce sont des informations. Photo, t'es à la radio. Ah, putain, pardon. Warwolf Overlord. J'écoute. Vous allez prendre cap 100 pour commit sur les J11. Friendly, un peu plus proche, call sign COC 35 en F18, qui est numéro 1. Vous serez en support. Follow Flight, Overlord. On vient de libérer Make-up, mais de toute façon, il n'aura pas été dispo tout de suite. T'as les moyens de déclencher le départ du C-17 pour Make-up? Je pense, oui. Follow Flight, de Overlord. Follow Flight, j'écoute. Nous avons une patrouille légère, MiG-29, Bullseye 096 pour 75. Vous allez donc prendre un cap 170, unité 70. Et passer Buster. Cap 170, unité bien pris. Position, si tu veux. Warwolf, prenez cap 110, unité, unité 0. Warwolf, bien pris. Magic F33. 33, j'écoute. Coq 35, Fox 3 to Ships, Bullseye 070 pour 130. Bien noté, pas de friendly sur secteur Coq 35. Il va arriver sur place. Coq 35. Oui, effectivement, maintenant je sais que c'est automatique, le C-17 il part tout seul. Ok. S-313, tes intentions? Du coup, je vais aller sur mes copes, mais c'est fini, donc je vais repartir vers Sophie. Et après, bah, prends des chips et MLPA, au moins 100 boîtes nautiques de nav. J'aurais dû partir de la musique, c'est pas grave. Ah, merci First Luso. Coq 35, un splash confirmé. Coq 35 affirme splash 1 leader. Niveau de vol 300. Vous avez établi sur le deuxième? Coq 35, contact trailer. Autorisé à l'engager dès que possible. Warwolf, vous êtes toujours numéro 2 sur l'objectif. Bon, bien pris. Coq 35, défensif. Marco 35, on a l'ordre pour quitter. Marco 35, vous pouvez passer avec Gelenzik. Bon retour. Je quitte pour Gelenzik. Bonne mission. Et merci, bonne soirée. Follow Flight, Overlord, des soucis défensifs? Audrey, Follow 1-4, je passe gate, on a perdu Follow 1-5, il s'est fait prendre par des SAM. Ok, je confirme, nous avons toujours un K50 sur secteur, mais il reste encore quelques SAM vraisemblablement, désolé. Sur ta position, mais ils sont à 30 000 pieds, donc je suis pas sûr qu'ils puissent te voir. Je te laisse te cacher. Overlord de Master 2SU33 à l'est de Krimsk, bonsoir. Master Overlord, bonsoir, identifier radar, indiquer mission. Master pour de la CAP équipée avec un maximum de missiles Fox 1 et 6 Fox 2. C'est bien noté, vous allez prendre un cap 100. 50, unité 5-0 et montée bloc 3. 50, unité 5-0, montée bloc 3, c'est bien fait. Frelon 1-4, Overlord toujours défensif? Frelon 1-4 toujours défensif, ouais. Frelon
Roland 4, il est défensif. Pourquoi? Départ Sam à l'est de Mekop, apparemment. C'est bien pris. C'est bien pris. Dernier rappelant, répétez. Ramen. Bonsoir. Ramen 1-1, Overlord. Bonsoir, identifié radar, indiqué mission. Overlord, Ramen 1-1, mission cap avec 8 Fox 3, 2 Fox 2, 2 Fox 1. C'est bien noté, mission cap. Prenez cap 0,90, plein est et montez bloc 3. Bien pris, cap 0,90, bloc 3, Ramen 1-1. Coq 35, Fox 3, Bullseye 0,70, 140. Overlord, Overwolf, MiG 29 dans les musées confirmes. Négat, J11 dans vos 12 heures, traité par un friendly type F-18. En bleu, à quel endroit? D'accord, merci. À mes 13 heures à peu près. Sur la partie, en fait, je fais sûrement la brise. Ouais, okay. Overlord, de Master, on se demandait si c'était possible de jouer dans les montagnes pour cette session de cap. Affirmatif, je peux vous proposer la chaîne montagneuse au relèvement 140. Ça vous convient? 70 nautiques. Master 140, la chaîne de montagne, c'est parfait, merci beaucoup. Et Coq 35 Pitbull, vous avez hostile sur le. Contact sur l'hostile? Coq 35 défensif, défensif. Warwolf Overlord. Autorisé à engager dès que possible J11 passé gate au bras 120 pour 64 km, 8000 pieds flanking droit. Warwolf grand slam hostile et friendly abattu. Vous allez prendre un cap plein ouest, 270 Warwolf, passé center économique, et m'indiquer statut carburant et ordonnance. Contrôle Captain Restant, ordonnance 4x3 et 2x5. C'est bien noté, vous avez possibilité de faire plus de 120 nautiques? Bon, je vous propose de prendre 270 et je vais vous garder sur zone. Okay. Frelon 1-4, Overlord, toujours défensif. Frelon 1-4, je RTB, j'ai quasiment plus de fuel. C'est bien noté, je vous propose Krasnodar centre. J'ai déjà un vecteur vers Krimsk. C'est bien noté pour Krimsk. Vous êtes environ 60 nautiques, 63 nautiques. Après, je vous remercie. Vous pouvez basculer avec Krimsk, vous êtes fans out. Warwolf Overlord. Pour la picture, nous avons deux groupes hostiles. Un premier MiG-29 au bullseye 0,86 pour 37, c'est-à-dire sur le littoral. Et un deuxième au bullseye 0,61 pour 175, c'est du MiG-21. Ils sont dans vos 6 heures. Je vous propose de faire un break droite. Prenez plein nord, triple 0, et on va essayer de les prendre en flanking. Astro 1-3 est avec toi. Affirme, Astro 1-3 avec moi, mission strike. Delta 3-2, les deux MiG-29 sont passés cold. Fais attention au site SA-18 secteur Sochi. Je te rappelle dès qu'ils sont plus menaçants. Ok, j'ai dû leur faire peur, c'est pour ça.
l'impression qu'il y en a qui repasse haute sur ta position, hein, celui qui est pied mouillé. Donc reste ponctoire. Ok. Warwolf, Overlord. Le groupe des MiG-21 est à 50 nautiques haute sur votre position et nous avons un deuxième groupe Sukhoi 33 qui vient de décoller, qui est derrière. Donc ça va être un petit peu délicat. J'ai l'impression que les rouges t'ont ciblé. Première proposition, plein ouest. On va les attirer vers les SAM alliés. Deuxième proposition, tenter de les engager, mais avec le risque d'être intercepté par le deuxième groupe. On va partir défensif. Donc 2-7-0 et gate. Les MiG-31 sont actuellement à Mach.88. Il faudrait faire mieux. Ils montent à 30 000 pieds. Je suis plafond 30 000 pieds, 0,88. Warwolf, alerté dès que départ missile défensif. Warwolf, bien reçu. Jettison Fuel Tank, passage sur l'avant principal. Ok, c'est bien noté, ils sont toujours hautes sur votre position et ils sont maintenant à 42 nautiques. Mac, ils sont supersoniques, Mach 1.05. Ramène 1-1, Overlord, vous êtes sur la fréquence ? 1-1, j'écoute. Confirmez, vous êtes bien en mission CAP. Mission CAP. Vous allez passer gate pour interception MiG-31 qui sont dangereux pour un friendly JF-17. MiG-31, prenez CAP 0,90. Ils sont au bullseye 0,54 pour 140. J'ai effectivement vu des départs missiles. Bien pris pour Ramen 1-1 et Tali sur les MiG-31. Warwolf, Overlord. J'écoute. Les deux groupes rouges sont suffisamment distincts. Je vous propose interception sur les MiG-31 qui sont toujours hautes sur votre position et les très agressifs, Mach 1.15. Ok, je prends. Warwolf, bras 0,95 pour 40, 36 000 pieds hautes. Ramène 1-1, Overlord, vous serez numéro 2 sur le MiG-31, vous allez assurer les arrières de Warwolf. Bien pris pour Ramène 1-1. Et je pense que si tu te fais toucher à nouveau, tu pourras repartir sur depuis Make-up, le C-17 à 23 nautiques de Make-up. Ok, bien pris. Il y a Couteau 26. Couteau 26, je ne l'ai pas encore contacté. Il est avec toi ? Négatif, je vois secteur nord de Tuab. Ça ouais. J'aurai besoin de lui. Pour... Ok, ben, il est très bas. Je vais tenter de l'appeler. Couteau 26, Overlord, vous êtes sur la fréquence ? Couteau 26, bonjour, sur la fréquence. Indique émission.
cap. Et là, actuellement, je transite le long de la côte en très basse altitude. Identifié radar. On aurait besoin de vous du côté de Gudota, Bullseye 092 pour 68. Nous avons une patrouille légère MiG-29. Ok, moi j'y vais. Couteau 26, vous allez prendre cap 120. F-120, stable. Sur ta position, ramène 1-1, Overlord. Ramène 1-1, j'écoute. Friendly, abattu, autorisé, engagé 2-8-31. Au bras 0,90 pour 65, 35 000 pieds, flanking gauche. Bien pris pour ramène 1-1, mais défensif sur Assad. Défensif, c'est noté. Donc il y a Mikop qui va être pris là par le C-17. Enfin. Ah ben putain. Ah ça a été fastidieux, hein, putain. Tu veux que je passe Gate pour couteau pour protéger Astro? J'ai envoyé Astro sur le Tarawa pour qu'il soit en protection. Donc non, pour le moment ça va. Ok, c'est bon. Si t'as le temps, tu vas dans les paramètres de l'OTATC, onglet raccourci, et les quatre derniers, tu leur mets des touches, tu lui attribues des touches, genre mu, étoile, astérisque, machin, pour éviter. Parce que je passe ma soirée à changer les pistes après ton passage. C'est bien pris, j'avais commencé à le faire, je le finis. Ça marche. Couteau 26, Overlord. Couteau 26, j'écoute. Secteur avant, vous avez un A10 qu'il va falloir protéger. Commit sur 2029, bras 115 pour 65. 34 000 pieds, hot. Rappelez dès que jeudi. Je suis hardlock sur les MiG-29 et j'ai contact sur l'appareil en basse altitude AMI. C'est bien noté, autorisé à engager dès que possible, tout évasif plein ouest de 7-0. Ah oui, c'est l'évasif que je pense pas à donner. Ah, on sait jamais, ça mange pas de pain. J'ai perdu beaucoup de caps ce soir, hein. Les SAM en particulier. Ouais, ouais, c'était c'est un peu compliqué, ouais. Tu as Frelon 5 ou pas? Oui, et Exodus? Négatif, ni l'un ni l'autre. Frelon 5, Overlord, vous êtes sur la fréquence? Affirme. Allez, Frelon 5, identifié radar, hein, F-16, indique émission. Je suis typé en cap. Vous allez prendre un cap 060 pour protéger... Mekop, nous avons un MiG-31 Bullseye 036 pour 140. Cap 060, bien reçu. LFDM Exodus de Overlord, vous êtes sur la fréquence? Exodus, à l'écoute. Exodus, identifié radar, vous êtes un MiG-21 friendly, indiqué mission. Mission cap, c'est bien noté. Est-ce que vous avez en data link? Non, vous n'avez pas de data link. Vous allez prendre le cap 0,70 et à environ 40 nautiques, vous devriez être vertical make-up. Vous ferez un orbit vertical make-up. Bien pris, orbit vertical make-up. Ça y est, Mekop est pris, ça a déclenché les shells, décollage des ravitaillots. Ton pote Acta, il peut décoller sur Mekop? Très probablement.
plutôt 26, c'est un splash, vous confirmez? Oui, un flash, un splash confirmé. Le deuxième, je pense qu'il a loupé. Affirme Pitbull, Tali sur le deuxième hostile? Les relèvements 100, 17 000 pieds. Marco 35 au-dessus de Echo, je quitte pour de cette unité. Couteau maintenant relèvement 0,95 à 10 nautiques. Overlord Marco 35 AFS en 4 heures de plus pour du cap au décollage de Galendic. Passons 5000 pieds. Marco 35, identifié radar, vous allez prendre un cap 110 et je reviens vers vous. Cap 110, Marco 35. Couteau, vous êtes merge, toujours pas Tali? No joy? Ouais, visuel. Frelon à 5, Overlord. Frelon à 5, j'écoute. Vous allez monter. Est-ce que vous avez possibilité de monter niveau 400? Je vais essayer. Si possible, monter niveau 400 et prendre un cap 0,80. Bien reçu. Marco 35, Overlord. Marco 35, Overlord, j'écoute. Prenez un cap 0,90 et montez bloc 3. 0,90, bloc 3, Marco 35. Couteau 26, splash confirmé. Affirme. Et c'est du beau travail, pour l'instant grand slam sur secteur. Je vous propose un orbite vertical Sochi, attention aux éventuels départs missiles SAM. Indiqué ordonnance. Deux Fox 3, un Fox 2. 2-0-2, correct? Là, je confirme deux Fox 3, un Fox 2. C'est bien noté. Bon, j'ai plus de clients en strike. Ok, effectivement, il y a un petit pas mal de caps. Tu veux que je fasse un appel pour savoir s'il y en a qui veulent passer en strike? Non, vu l'heure, je vais quand même pas tarder à décoller. Ouais, t'as raison. 3 heures de contrôle, c'est pas mal. Ouais, je vais faire pareil. T'as eu le temps de changer les touches? Affirme, j'ai tout mis en contrôle F2, F3, F4. Ouais, vérifie quand même qu'il a bien pris parce que il y a certaines touches qu'il ne prend pas. Et il revient par défaut du coup à F2, F3, F4, machin. Et à tous sur la fréquence 271, ça va être une fin de service Overlord. Pour la picture en particulier, les appareils les plus agressifs, nous avons une patrouille légère de J11 au bullseye 060 pour 166, se dirigeant vers Mekop à environ 120 nautiques. Les autres ne sont pas agressifs. Ok, ben, merci bien. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Chat. Il y a tous sur la 122, fin de service pour Magic. Bonne soirée à tous. Vox F. Bonne soirée à toi. Tu veux qu'on débriefe vite fait? Ouais, sur Discord. Ça marche, je coupe le stream et j'arrive. Allez, fin du stream. Bonne soirée.